Bonjour les amis, bonjour, 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 bonjour et bienvenue encore aujourd'hui sur la chaîne. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi. On est là. J'essaie de voir un petit peu 2-3 trucs là. J'ai pas vu qu'il y avait des gens qui s'étaient inscrits. Remove from army. Alors, 54, 60, 53, 52, 57, 53, Jockey, TV, Alarif, 5, Remove from Army, 54. Je peux plus ajouter de gens. Voilà. Les essaierons. Bonjour, j'espère que tu t'es bien reposé. Bonjour, bonjour, tout va bien. Regardez où je suis. Je suis à Ebon Scale. Zone avec une petite saveur des pays d'Orient. Enfin, d'Asie. Orient, c'est autre chose. What the fuck, en fait. Hop. Comment ça va? On va aller regarder s'il y a un peu de PBE à faire ici, histoire de terminer un petit peu les armes et tout. Si jamais il y aura des gens qui nous rejoindront de toute façon. C'est une zone qu'on est... Enfin, on est juste venu voir très rapidement. Mais la ville est quand même très jolie. C'est pas vraiment européenne la ville là, non? Je pense. Qu'est-ce qu'il y a au-dessus là? Il y a un donjon. Enfin, je sais pas ce que c'est, mais on va aller voir de toute façon. Ça va être l'objectif un petit peu, de se promener. T'es plus off-tank. Je suis plus off-tank parce que je suis en train de monter ça, mais sinon je suis off-tank. Faut que je monte de nouvelles armes si je veux gagner des points. Donc je suis obligé de jouer avec un autre stuff d'autres armes, mais j'aurai juste à respect et je pourrai rejouer off-tank. Deux guerres aujourd'hui. 16h et 20h. Ok, donc deux défenses encore une fois. Demain, encore une défense qui nous attend. La carte n'a pas bougé. Par contre, j'ai pas compris ici pourquoi ça n'a pas été tagué. On était censé l'attaquer. Hier, on a monté toute la barre. Donc, je sais pas trop. On avait donné 7500 PO avec Kamak au conçu de la guilde, mais ils ont pas tag. C'est magnifique, pendant 3 secs j'avais cru qu'on allait changer de jeu. Ouais, la ville est magnifique quand même. L'ambiance des Bone Scale est très de la sorte avec sa faune assez aussi sympathique. Attendez, je suis en train de faire un truc. Alors. Dans quel level les mobs là? Oh, ils sont 2. Ok, super, bien joué. Oui, même leurs armures et tout en fait. Bah où? Allô? Ça fait 13 armes... Enfin... très armé nippon. Oh. Merci beaucoup. Même jeu die. Hein. Ah oui, je vais die. Ouh, ils sont chauds. Eh ben, archi chaud. Tu as un mob avec deux armes différentes, ça ferme l'XP des deux ou pas? Oui. En fait, il faut que tu le touches, il faut que tu le touches avec les deux armes. Ok, il va falloir faire attention. Il tape fort. Ils ont un autre style avec les musclés. Là, je me suis fait éclataxe. Let's go, c'est reparti. Hop, hop, hop.
Avec le bloc d'invasion, pas de chat après 10 heures, on n'a pas pu déclarer la barre. Ouais, je veux bien de voir ça, ouais. On dirait qu'ils le font exprès en vrai. Hein. Hein, j'ai juste envie de dire qu'ils le font exprès. En fait, je suis vraiment à deux doigts là de me dire, venez on se regroupe tous et on bus. Je crois que je suis à deux doigts de faire ça en fait, et Bonescale on le verra plus tard. Parce que je suis en mode bon, va falloir le prendre une fois pour toutes cette ville là et ça dingue. Minibus, ouais mais les... Bah, si jamais il faut un vocal vous me dites et je viendrai en front lane par contre. C'est horrible de lire des gens avec un joueur archer en vrai. Je sais pas trop ce qui se passe pour les failles devant et tout, je trouve ça infâme. Je voulais dire c'est quoi le plus intéressant en seconde arme. Ça dépend, mais Gauntlet est très fort en vrai. Le Gauntlet est très très fort. Vraiment, le Gauntlet, ça se marie très bien avec le bâton heal. Parce que tu vas chercher du focus aussi avec, donc c'est parfait. Là en gros moi en vrai j'aime bien ce build hein, je vous le dis, je trouve que c'est un build méga intéressant, je me marre bien avec. Pourquoi pas un diam sur l'arc en gemme. Comment ça pourquoi pas un diam en gemme. Il est 30%. C'est quoi ça? Nico. Diam c'est 12% quand t'es full life. Bonjour Juice, bonjour le chat. Ouais, Battlefield 1 gratuit sur Prime Gaming. N'hésitez pas. Et là on a 20% de dégâts when player is below 30%. Donc pour ce qui est du build à eux, bah quand c'est à 30%, c'est plutôt pas mal. Simplement. Salut, pourquoi les batailles de la... Pourquoi les points de bataille diminuent? Comment ça les points de bataille diminuent? Tu parles du site? Parce qu'ils ont enlevé des points dernièrement. C'est la question. En fait, les invasions contre l'IA ne sont plus comptées parce que parce qu'en fait c'est trop gratuit de gagner 100 000 points en 2 minutes et que personne n'arrive à gagner. J'ai changé de build. J'essaye un build en effet, Bleeding TV. Oh là là. Regardez. Oh stylé, what the fuck. Salut qui va. Comment ça va? Il y a un pirate ici. Donc là je sais que beaucoup d'entre vous étaient là en mode tu pourras aller voir Ebonescale, tu pourras aller voir Ebonescale, s'il te plaît, juste tu peux aller voir Ebonescale, Ebonescale, juste Ebonescale, s'il te plaît, Ebonescale. Donc on va faire ça. Et en fonction de ce qui se passe à Windsworld, eh bien, on ira jouer sur la front lane.
Cette juice, c'est une compétence passive qui fait que tu n'utilises que 40 points lors d'une esquive. Moi, je consomme 50. C'est en fonction de mon stuff et ma dextérité m'a permis de faire 3 roulades. Parce qu'en fait, là, je suis à 300 de dextérité de mon côté. Donc, en fait, j'ai 1, 2, 3 roulades. Et en gros, du coup, le build, c'est aussi pour m'échapper très rapidement en jouant à l'arc. Donc, ça fait 1, 2, 3 roulades, dash. C'est pas dégueu, quoi. Je capte, je vois un peu le truc en mode Great Pierre de Lune, Diamant pour les DD, Emerald pour tout ce qui est Gauntlet, mais je te recraft tout seul dans ma guild, on est trop actif alors. Ouais, je comprends. Oh! Un pan! Trop stylé! Un pan, les amis! Bon, allons voir ce qui se cache en haut, du coup. Salut Stark. Regardez ce qu'il y a haut pour avoir Abysu, si on peut avoir Abysu sur la ville en dessous, ça serait pas mal. Hop. Dégâts de feu, ça serait pas mal aussi en vrai, mais bon. J'aime bien ce build, il est assez dynamique et hier avec les AE et tout, c'était vraiment sympa. Ok, est-ce qu'on va rencontrer Bruce Lee? Ouais, elle a rapide, hein. Ok, ok. Ah, les CD qui reviennent trop vite, enfin c'est vraiment trop stylé hein. Vraiment la rapière, les gens étaient en mode ah, c'est nul, c'est nul, c'est trop fort hein. En fait la rapière c'est... Elle a quasiment les mêmes... Enfin elle a un proc CD, un cooldown réduit, on dirait la hatchet. Petite question, je trouve pas le muscle plus fort que l'arc. Dégâts direct et langue portée, je n'ai pas eu trop le temps de tester. Le musquet est plus fort que l'arc pour le pour quelques trucs. Après, le problème du musquet, c'est qu'il ne fait pas d'AE. Et l'AE, c'est super intéressant pour certains trucs. Mais le musquet reste très fort par rapport au job qu'il a à faire, quoi. Le mono-cible et le hitscan est très très fort. Donc là, c'est quoi? Mountain Temple. Qu'est-ce que c'est? Le Mountain Temple. Il y a une instance par ici, vous pensez? Et au mix, ça va ou quoi? J'ai fait un peu de la rapière, c'est une vraie mix entre le fleuret et l'épée. Je trouve ça classe. Ah non mais c'est classe hein. Je la vois un peu fatiguée. Non c'est juste parce que je viens de... je viens d'arriver. Je suis levé tout à l'heure. Hop. J'ai fait 2-3 trucs. J'ai fait un peu de sport. Et j'ai lancé. Oula. Ça je pense c'est un peu mort pour moi en vrai. À part si... Non, je pourrais pas le kite en vrai, y a pas de... y a pas d'espace. Ah. J'ai cru
détruit au pré-shot. Aussi cette petite ville en montagne là. Bon, c'est ça que vous vouliez voir, non? Ok, meilleur jeu, j'ai reconnu des voix en FR, je me le prends dès qu'il sort et bonjour. Yo Lady. Lady, qu'est-ce que tu penses de cet endroit? Et on m'avait dit, va voir Ebonscale, va voir Ebonscale. Du coup, je vous montre un peu Ebonscale. Ah, tu étais à chat demain, je t'ai vu. Mon caramel! Ça va ou quoi? Xerac. Je pense du jeu Xerac. T'avais vu cet endroit, Gon? Non, jamais. On se croirait sur le film La Dernière Muraille, pour ceux qui connaissent. Ça, je trouve ça méga stylé en vrai. J'aime beaucoup ce genre d'esprit. Franchement, c'est méga stylé. Ouais, hein. C'est stylé en vrai. Hein. Pas voulu rush le jeu pour préserver le 31. Ah ouais? La map est très jolie. Hein. Kill War, les zones, c'est un peu comme ça. Ouais, j'imagine. Oula. Ouais, l'endroit est méga beau. Hein. Voilà, vous vouliez le voir, je vous y amène. C'est la première fois que je vois ces spells. Sans le dash. Faut que vous fassiez le donjon du bateau, vous allez kiffer. Bah, t'as sans pour les donjons, ça tend tous, donc c'est un peu ça aussi le truc. T'as trop stylé son attaque au fusil où il saute en l'air là. Voir que tu peux avoir une Great Axe 580 via une suite de quêtes à Eden Grove si jamais ça t'intéresse. Ah ouais? Une suite de quêtes? Ah mais j'avais entendu aussi qu'il y a... Il y avait un Gauntlet légendaire. On a parlé hier. Et il faut faire une suite de quêtes. Est-ce que tu l'as déjà cette la hache ou est-ce... Merci beaucoup pour les gold. Est-ce que tu l'as déjà ou c'est une quête qui est bloquée? Ouais, j'ai entendu, mec. On va y aller, on va repartir à Winspawn. On va aller le faire. Je vais rester à front lane là et on va aller faire les quêtes. J'aime bien leur skin. J'essaie juste de monter tout en haut là pour voir un petit peu ce qu'on peut voir. Ah, super. Big.
surprise. Je suis mal. Hein. Bon, après, ça reste les mobs et tout, mais. Hop. Ah. Il y a eu un rollback du. Rollback du dash. De dragon. Ok. Pas mal quand même les mobs là. Finir pas les jouer Hanzo sur Overwatch, moi là, si ça continue. Ah, côté de l'oreille, encore à côté de l'oreille, let's go. C'est dur quand même. Mais ouais. Tu joues encore beaucoup à la sortie du jeu? Oui, probablement, oui. Probablement. Et donc là on est où? Pas grand chose hein. Hop, ça c'était un build que je voulais tester parce que après il faudrait voir avec en fait faut vraiment voir, faut que je vois avec la lance. En fait lance rapière. Ou même bâton de feu rapière. C'est vraiment des choses que. Après, il faut en profiter à la bêta, quoi. Ok. Ok, bah c'était. Voyons voir ce qu'il y a dedans. Il semblerait que. Ok, il y a un petit named. Avec deux gros mages là. Bloqué. Bloqué, je suis bloqué. Au secours. Ouais. Dead. Eh ben je fais mal. Je cherche un truc précis dans cette zone ou pas du tout? Non, pas du tout. Ah non, je joue pas ça. Non, c'était juste pour voir un petit peu l'environnement de la zone. Après, j'avais vu un truc aussi. Vous voyez ici, il y a une sorte de forteresse aussi, mais on peut pas y accéder en fait. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Je pense que là, t'as papier.
Et du coup, bah, on peut pas aller là. C'est dommage. Ah oui, j'aurais win en tank. J'hésite trop entre fusil rapière et feu glace. C'est pas pour l'expédition 65. Peut-être, peut-être. Non, y a pas de bateau. Peut-être un truc secret. Ah oui, peut-être, peut-être y'a des trucs à voir et tout, hein, mais... Honor, ta zone, de ta zone, t'as vu une partie de la map cachée? Non, j'ai pas vu, j'ai vu qu'Adrien était passé, ça l'avait tué. Yes, on va gagner de l'XP histoire de... En fait, y'a un mur que tu peux passer, mais ça te touche shot. Y'a un copain qui tente rapier à gunplate en mode rapier dégâts magiques avec une gemme de conversion et bah il s'éclate. Ouais ouais c'est très fort. Pareil pour le... En fait quand tu joues rapière bâton de feu, tu mets ta gemme mintel sur ta rapière. Et tu t'éclates. Donc je suppose que la zone... c'est la zone d'expédition. Ah non mais oui c'est probablement sûr même. Hein. C'est probablement sûr que ça soit un truc vis-à-vis de ça. Je vais passer tank. Hop. Donc j'ai juste 2-3 petits changements à faire. Comment est-ce que j'arrive pas à avoir autant de constitution? Il faudrait que je teste autre chose, mais je ferais beaucoup plus mal, mais je pense que je suis une chip. Et Otaz. Le bonus de zone, on peut tout maxer si on a la réputation à fond, on a quand même un choix à faire. En fait, ça dépend de ce que tu veux maxer au début, tu vois, par exemple, si c'est une ville où tu vas rester longtemps, vaut mieux stock le... Vaut mieux monter le stockage. Si c'est une zone où tu vas beaucoup XP, et eh ben vaut mieux monter tout ce qui est expérience. Si c'est quelque chose où tu vas acheter ta maison, bah vaut mieux... Enfin, après voilà, c'est, genre tu baisses les taxes de ta maison, tu baisses les taxes de l'hôtel des ventes, tu peut-être voilà, tu veux ramasser peut-être plus de ressources dans ces zones-là. Enfin, y a plein de trucs qui font que... Je vais aller à Windsworn. Et je vais repair. D'abord. Voilà. Windsword. Bon, go reprendre cette zone là. C'est chiant. Du coup, avec la mise à jour. Avec la mise à jour, ils ont pas pu tag. Du coup, on va le faire sans mise à jour. C'est pas grave. J'avais pas dit que ça serait impossible qu'une faction ait conquis toute la map. Non, j'ai jamais dit ça. J'avais dit que c'était possible. Sauf que. Bah là, les mecs jouent pas. Et en fait, maintenant, les deux factions adverses se sont ralliées contre nous. Donc, les jeunes et les verts jouent groupe et nous non. Je vais prendre les quêtes. Beaucoup d'Elonia. Donc, ça montre que si une faction est peut-être trop haute, bah, les autres vont venir essayer de défendre un max. Ouais, ils ont alliance. Ils se tapent plus dessus. Ils se tapent plus dessus. Ils attaquent de deux côtés différents. Et ils sont surtout en mode... ils taguent ensemble en fait dans les guerres et tout. Donc on peut plus leur laisser de territoire parce qu'on a peur qu'ils mettent tous les streamers d'un côté et qu'ils les laissent gagner. Pas 14 000 HP de base. Bah qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'ils ont baissé un truc encore cette nuit, c'est ça? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah je sais pas. Je sais pas du tout. Pas ce qu'ils ont fait les potes. Ok. Oh mais go hein. Il y a tout le monde qui commence déjà à faire des allers-retours. Ouais hein. On m'a dit. Juste go se regroupe. Et on... Hello Calimitox. T'as de jolis bijoux de... Ouais,
Ouais. Je suis en front lane. Donc si jamais pour les calls, n'hésitez pas. Ah, par contre, lui, il est allé à la chaîne, je sors dehors. Était censé rester, il va rentrer en ville. Allez, venez. Attendez, il faut qu'ils viennent et reviennent. Ceux qui rendent leur quête là, attendez. Ah, ça c'est bien ça. Attendez. Thanks for this word. It's screened. Donc, je vais screen. Hop. Attendez, est-ce que... Attendez, faut que je screen ça là. Hop. Voilà. Petit screen. Et ensuite, je vais directement chez les devs. Hop. 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 Deux secondes. Ah, les jaunes, ils ont pas intérêt à faire les malins parce que c'est terrible. Hop. Alors, où est-ce que c'est? Voilà, ça c'est bon. Let's go! Allez, on y va. Ouais, mais c'est des joueurs fame, donc... Je cherche à voir Nicole. Pardon, je suis en train d'écrire au CM en fait. T'as pu trouver des items plus intéressants pour ceux de la faction? Non, pas du tout.
vu que la lance lâche à deux mains, c'est viable pour PvP. Tout est viable pour PvP. En fonction de ce que tu aimes. Alors il m'a dit de le report. Abusive chat, harassment. Ça fera un mec à chat en moins du coup. Bonjour Jus, on m'a dit de mettre 3 points d'interrogation pour que ça passe au-dessus. Il porte juste pour... Je pense que l'épée bouclée... Non, en fait, les devs nous ont dit, dès que ça commence à avoir des propos un peu olé olé, il faut qu'ils comprennent, faut que les gens comprennent. Faut que les gens comprennent que c'est pas la street. C'est exactement ce qu'ils nous ont dit. Ils ont dit, reporter tous les mots... Ah ouais, non, mais Amazon rigole zéro avec les insultes. Hein. Les amis, si vous insultez une game, vous pouvez vraiment prendre de grosses sanctions en vrai. Je dois vous avouer que... Ils font bien le taf vis-à-vis de ça. Et sachant qu'en plus de ça, c'est côté américain, ils ont déjà ban je sais pas combien de gens de la bêta parce que il y a des viveuses qui se font harass malheureusement et je peux vous dire que ça fait pas long feu. C'est vraiment pas long feu. Ah oui, ça leur permet de tester leur système de report, bien entendu. En fait, le truc, c'est que c'est protéger leur jeu et protéger aussi les streamers qui jouent actuellement pour l'événement de toute méchanceté, en fait. Et surtout faire en sorte que les gens restent sur le jeu. Je sais pas où sont les modérateurs, de toute façon. Avez-vous connaissance d'une section pour le patch équilibrage? Pas vraiment. Non mais après, tu peux insulter et patonner en fait dans un jeu. Surtout dire poussi parce qu'on sait très bien ce que c'est le sous-entendu de poussi. Et moi je suis en live en fait. Donc les poussi chez moi ça existe pas, tu vois ce que je veux dire? Donc après le mec veut faire le malin et tout ça, donc j'espère qu'il tombera dans le ravin. Parce que vous faites les malins, les gens qui vinent en mode « Oui, mais c'est du taunt ». Non, pas du taunt en fait. Juste un mec qui fait le malin. Les modos sont très réactifs. Oui, oui, c'est déjà en cours. Et c'est pas les... C'est directement la modération d'Amazon Gaming qui est en train de voir les choses. Merci Noiram pour le 18e mois. Merci beaucoup pour le 18e mois sur AdjustTV, c'est très gentil. Si tu tournes, tu tournes pas dans ce style-là. Je cherche pas à faire des quêtes principales. Je cherche pas à faire des quêtes principales pour avoir les récompenses. Non, pour le moment, j'essaye juste de continuer un petit peu la lancée qu'on voulait, c'est-à-dire dominer le serveur. Donc il nous reste encore deux zones et quand les deux zones seront dominées, là on pourra se mettre... Les bras croisés et attendre que tout se termine. Go sud-ouest, go sud-ouest. Go sud-ouest, là, si vous êtes avec moi. Vas-y, on les attrape.
essayez de rester toujours en front, hein, tranquillement. Même si on court dessus, si ça court beaucoup trop, vous inquiétez pas, on se retourne, on ira valider nos quêtes de toute façon. Voilà. Allez, voilà. Venez. On retourne quête, les autres sont partis beaucoup trop loin de toute façon. Go valider. Il y a une nouvelle arme qui devrait arriver pour la release. On sait pas quoi encore, mais il y en a une qui devrait arriver. Faut se regrouper. Là, prenez la direction sud 165. Je sais pas si ça sera un pistolet, si ça sera une clé mort. Moi, j'espère que ça sera un bâton purge offensif. J'espère, en tout cas. Enfin, un truc un peu peut-être... une sorte de bâton démoniste qui peut curse sur la durée into purge. Ça serait pas mal. Akimbo, let's go. Oui, je pense que ça sera une arme à distance. Une arme tank au support. C'est vrai qu'en arme tank, on a juste... Enfin, après, t'as des possibilités de mettre des jeunes taunts un peu partout pour gagner de la menace. Mais c'est vrai que pour le moment, avec un bouclier, il n'y a qu'un... Il y a que la sword, en fait. Ce genre de comportement que tu viens de report, c'est exactement le pourquoi j'évite le voice chat. Dis-toi que j'ai même pas branché mon micro sur mon casque. J'attends les gens, mais je parle pas. J'imagine. Oui, de toute façon, eux, ils jouent que comme ça, donc... Ça ne sert à rien. C'est un peu le truc, quoi. Très bien, une arme lumière ou ténèbre. Ouais, une petite... Moi, je dirais un petit bâton, genre... ténèbre, tu vois. Qui puisse, entre guillemets, faire des AE avec un dot. Donc, avec du dégât de durée into et qui puisse purge les ennemis de leur buff. Ce serait pas mal, en vrai. Quelque chose qui peut se purge. Faut peut-être que je prenne le reste des quêtes, en vrai. Allez, on est repart. On a le château ? On n'a pas le château. Faudrait qu'on prenne le château, les petits potes, en vrai. Ouais, je pense qu'il faudrait qu'on aille prendre le château. Et au pire, il y a des gens qui, s'ils veulent rester château, ils restent château. Et comme ça, on peut enchaîner les quêtes. Ce serait bien une autre arme heal. Ouais, ce serait pas mal aussi. Faudrait voir, en fait. On est à 20 secondes. Hein. Moi, je suis à 20 secondes du mon timer. Un. Mon groupe. Là, je peux pas l'arrêter de toute façon. Là, elle ne mourra pas. Voilà. Ok, go le fort, essayez de vous regrouper, go fort. Parce que si on se fait devant la ville, ils rentreront, sortiront, on sera en problème de timer, c'est ça le problème. Donc go fort, et si vous êtes bloqué derrière parce que vous avez essayé de les tuer, bah tant pis pour vous en vrai.
Par rapport au comportement, ce que tu disais, moi perso, j'ai assez peur d'utiliser la fonction VoIP car je suis une fille et les filles sur les mémos, bref, tu connais. Non mais oui, oui, c'est pour ça. C'est bien pour ça qu'en fait, moi, je fais pas de cadeaux en fait. Moi, j'ai une communauté où j'ai beaucoup de filles et ça me saoule de fou. Enfin, il y a des gens qui utilisent des mots vis-à-vis de ça en fait. Ça me rend fou en fait. Et donc, vu que maintenant je peux faire quelque chose et quand les mecs font les malins, et ben j'essaie de les faire tomber le maximum dans les ravins en fait, tout simplement. Moi je fais aucun cadeau. Je sais que ma communauté, il y a énormément de filles et je suis aussi là en tant que porte-parole pour elles et je suis en mode non, ça passe pas en fait. Salut crapaud. Coucou. Donc on va aller là, on va voir un petit peu les gens. Mais tu vois, Noctume, moi aussi, en fait, je peux pas activer mon vocal parce que si j'entends une grosse insulte et que ça passe sur le live, tu vois, même moi, je perdrais mon taf, tu vois. Et du coup, c'est un peu chiant parce que tu peux pas faire confiance aux gens, en fait, que tu connais pas sur un jeu vidéo. Donc c'est aussi terrible, tu vois. Allez, sur des jeux de ce type-là un peu compétitifs, oui, les gens sont toxiques, oui, en effet, Muniz. C'est ça le problème. Les chats vocaux dans les gens en ligne, c'est nickel. Bah ouais, mais après il faudra voir, tu vois, peut-être qu'il y aura des serveurs. En fait, je pense vraiment que... je pense qu'il y aura des serveurs RP. S'il y en a qui font de la merde, ils vont vraiment, vraiment, vraiment devoir acheter des jeux. Ah ça c'est... ça je sais pas gros. Ça je sais pas, je dois t'avouer. Ah. Pas bien. C'est pas grave. Les filles qui osent parler sur CS 100% respect, les gens sont des animaux, franchement ça me désole. Non mais oui. Mais ouais, malheureusement il y a des gens comme ça. Il y a plusieurs fois où j'ai fait des games même sur Rainbow Six. Où je jouais un peu tout seul et tout sur Rainbow Six. Où genre il y a une fille qui parle et elle se fait insulter. Et je commence à m'engrainer avec le type et du coup il m'insulte moi. Mais au moins la meuf elle peut jouer tranquille quoi. Parce que le mec est en mode ouais le protecteur commence pas me... Nanana la 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 espèce de la 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 la. Et je suis en mode yeah 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 pendant toute la game. Yeah 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 yeah. Et du coup je lui mets le seum parce qu'en fait je fais juste yeah 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 yeah. Parce que c'est comme ça. Moi j'ai été élevé par des femmes donc mon père quand j'étais bébé il travaillait souvent dans d'autres pays et tout et du coup j'ai été élevé par mes tantes, ma grand-mère. Donc bon j'ai un autre feeling par rapport aux femmes que... Et la maman et la femme de toute façon elle était dit c'est... Et voilà quoi. De toute façon, si jamais vous voulez vous engrainer avec un Italien dans la vraie vie, le seul truc à pas dire, c'est parler des femmes de sa famille. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Petit bus qui arrive. Alors. Ok. Ok, juste à l'avant, poussez sud-est, mais je pense qu'ils vont reculer en vrai. Ah merci pour ça, merci pour ça, j'adore les bâtons pour ça. Oh, il avait claqué sans céder. Hop, tu restes là. Ah ouais, go quête. Go quête, s'il y en a qui veulent rester, qui n'ont pas fait les quêtes et tout, restez au fort. Juste lâche F s'il y a un problème. Juste go quête. Si jamais ils nous le reprennent, on repartira au fort avant d'aller valider. S'il y en a qui veulent rester au fort, n'hésitez pas, vous mettez juste le slash F et vous dites bus.
Non, comme d'hab, on fait deux quêtes et au pire, on se rapproche du fort et on va rendre vers la ville. Je pensais juste, tu trouves pas que le switch d'armes au corps à corps est un peu chaotique? Un petit peu, sachant que parfois, on dirait que ça bug et j'ai fait le report. Il semblerait... En fait, des fois, t'as pas la... T'as... En fait, genre, imaginons, ok, j'ai ma masse, je swap sur ma hache, j'ai toujours les spells de ma masse. C'est report, du coup, vous inquiétez pas. On est là aussi pour report ce genre de problème. Et si jamais il y a des choses que vous avez vues de votre côté, n'hésitez pas à le mettre sur le chat ou me le mettre en DM sur Discord. Et moi, je ferai un retour vis-à-vis de ça. On est clairement là pour essayer de signaler le maximum de petits soucis pour qu'ils puissent régler ça pour la release. La release, pardon. De toute façon, on a tous une vie différente, c'est juste que c'est malheureux d'avoir qu'en fait le respect est quelque chose de vraiment inexistant quand on connaît pas les personnes et surtout quand on est dans un environnement chaotique. Mais bon. La bêta se termine quand? D'ici quelques jours, d'ici 2-3 jours, c'est bientôt terminé. Bientôt terminé. Salut Floki, comment ça va? Certains sont déjà rentrés dans des murs, obligés de dunsuck régulièrement quand ça arrive. Je crois que Manu hier est rentré dans un mur. Lourd ou moyen armure? Je joue que en lourd moi. Jouer pour les loups, les casters. Allez, le dernier item. Au niveau du fort, est-ce que ça va? 6 verres au fort. Ok, on prend la caisse, on va deny les 6 verres au fort et ensuite on rentre en ville. Essayer de tenir un petit peu et on va arriver. Allez, on prend vite fait la quête. Et ensuite on va aller au fort. On va arriver. Tranquille. Nord de la ville. Ok, on va probablement arriver. Ils sont entre nous de toute façon. Donc go prendre juste la quête. Et on va se placer dans leur dos. Comme ça, s'ils rentrent, on les pousse dedans. Salut Raphaël, bonjour. Parce qu'on peut voler en fait. Genre quand tu appuies sur le bouton et que tu fais une attaque avant que le swap soit passé, ça cancel le swap. Non mais c'est en fait genre ça cancel le swap mais pas les swaps de tes sorts, tu vois. Genre tu swaps vite fait et en fait tu restes avec genre j'ai la masse et j'ai des spells de lâche. Too many green. Ok c'est parti, venez, on rentre porte droite. T'as l'air de se fight dedans. Essayez de tenir, on arrive. On y est. Où est-ce qu'ils sont? Ok, ils sont à droite. Venez, avancez avec moi. De toute façon, ils vont partir, ils vont me boire. Bah alors, t'as pas pu sortir? Sortez avec moi. C'est fight devant. Ils vont être route. Sortez, c'est stun. Allez, ils sont là. On les ruine. Ruine. C'est parti. On pousse dessus, on va à la ville. Wix, tu donnes les infos si jamais. Ruine. Si on peut avoir un boost de vitesse à l'avant. Ruine. Au sud-est. Ruine. Voilà. Revers derrière. Essayez de tenir un petit peu aussi de votre côté. Ok. Go rendre celle-là et on revient. On reprend les quêtes, on revient. Il y aura probablement des gens devant. Donc on essaie de s'attendre au carrefour ici.
Ok, je mets le point sur la map. Et comme ça, on va pouvoir tout simplement rentrer tranquillement. Parce que bah, ils vont être devant la ville, hein, vous le savez. Oui, sachant que là, actuellement, sur le serveur, les verts et les jaunes ont fait une alliance. Et que voilà, quoi. J'ai cru qu'ils se battaient avec, avec un vilain. Oui, c'est très bien qu'ils aient fait une alliance, en effet. C'est tant mieux pour eux. Hein. C'est clairement tant mieux pour eux. Il va falloir tenir un peu, Mix. Il va falloir tenir un peu. On va rendre les quêtes. Mon groupe, on va rendre les quêtes vite fait. Et on va retourner. On prend les quêtes, on repart sur le fort et on repart sur les quêtes. Et on va faire que ça, on va faire que ça. Tant que les gens... Tant qu'on aura un peu plus de gens. Pour ceux qui défendent le fort, pensez à mettre un feu de camp juste à côté du fort pour pouvoir re-rentrer dedans rapidement et tout. Ok? Profitez-en de ça. Profitez-en. Parce que eux, ils font ça aussi, donc tranquille. Donc, venez sur la gauche. Restez milieu de route. Jouez pas le fight, hein. Ils attendent que ça. Jouez pas le fight. Je reste devant, mais rentrez. Rentrez un max, rentrez. Voilà, go rendre vos quêtes tranquillement. Et on se regroupe devant la porte nord. On va sortir porte ouest, ok? On va sortir porte ouest. Et on prend la direction du fort instantanément. Donc rendez-vous porte ouest, pas nord. Et reprenez vos quêtes. Allez, on repart. Porte ouest. Porte ouest quoi. Non, pas nord-ouest, pourquoi? Pas nord-ouest, c'est ouest, capot. Oui, essayez de rentrer côté ouest pour ceux qui viennent rendre leur quête. Ouais, j'ai pris mes quêtes là. C'est une. Hop. Allez, du coup, on va avancer et on va au fort. Ça a l'air d'être un peu calmé, je crois que... C'est qui, c'est Mix? Ah, Mix a dû respawn, peut-être. Que ça monte tout de même. Ça monte, on n'est pas beaucoup à faire des allers-retours, ce qui est normal. Hop. Cherchez pas, il va courir de l'autre côté. Venez, continuez nord-ouest. Avancez, je reste derrière. Avancez. On attend les derniers. Si jamais vous vous retournez. Allez, on continue. Toujours nord-ouest. Voilà, gardez vos heavy en vie là qui engagent sur sous les failles et ça va le faire. Ne suivez pas, hein. Continuez fort au pire. Hein. Continuez fort si vous voyez qu'on peut rien faire dessus. De toute façon, les mecs, à part faire des roulades et se casser, ils savent pas trop quoi faire. Vous continuez nord-ouest, on va avoir probablement un petit bus qui va arriver au fort. Donc go défendre le fort premièrement. Pensez à mettre un bind de campement. Si jamais juste à l'avant ou quoi. Ouais, Ariri là, j'ai vu, je les ai vus. Ouais. Ok. On peut avancer tranquille. Le fort, normalement, il est quoi? Il est toujours à nous, de toute façon. Ouais, c'est un bivouac, ouais.
Au pire, essayez d'en faire... On peut... Si on peut faire un bivouac juste devant... On peut le faire devant la porte, hein, le bivouac, hein, sachez-le. Genre, en gros, le bivouac, vous pouvez genre le faire ici ou n'importe. Genre là, là. Si vous avez des trucs, faites-le là, le bivouac. Là, vous vous taguez dessus. Bah, faites-en 12 000. Pensez à vous écarter une fois que c'est terminé et taguez-vous dessus. Bivouac. Ok, pour ceux qui sont qui ont les quêtes, c'est reparti. Je vois, c'est pas le bordel à l'avant. Est-ce qu'on peut reset un peu ou pas du tout? Ils sont toujours un peu dispersés. Ok, ok, direction les quêtes, nord, du coup. Comme mille marteaux, longsword. Tu le joues 3 heavy de light? Non, pas du tout. Non, je le joue... Je joue full armure lourde quand je tank. J'ai pas de low staff. Enfin, j'ai pas de light pour faire des roulades ou ce genre de truc. En ce cas, pourquoi Juice prie les quêtes de la ville? C'est la première, les quêtes doivent être nazes, non? Vis-à-vis de quoi? Des récompenses, oui, mais je pense que ça amène la même influence de toute façon. Là en fait c'est juste que ça monte doucement parce que Windsward est une ville qui est toujours prise et du coup bah, tu mets plus de temps et vu qu'on n'est pas beaucoup à la faire. Donc vous inquiétez pas. Ok, petit bus vert près de Armin, donc c'est le donjon. Donc de toute façon en fonction de ce qui se passera à 16h, ils vont prendre un bus dans toute leur zone je pense. Et ça sera le call que je ferai de toute façon à 16h, on attaquera directement Windsward si c'est pas fini. Oui, oui, c'était qu'en fait, hier, on a déclaré... Enfin, on était en conflit, mais vu qu'il y a eu une mise à jour ce matin à 10h, ben, en fait, on n'a pas pu déclarer la guerre, malheureusement. Donc, du coup, on est obligé de refaire ce qu'on a fait hier soir. Pour pouvoir les re-attaquer. Il y a des sauts au premier palier en PNC de faction qui vous permet de changer les stats de l'armure en faction. De faction. Exemple pour le stuff lourd, j'ai mis le seau de cléric, bah il est devenu forme et concentration. Ah ouais Nico Cheesy? Super intéressant ça par contre. C'est ce que je crois que Kenny en a voulu nous en parler hier. Abouju c'est pour laisser une deuxième chance. Non mais à ce que j'ai compris hier très rapidement parce que je fais pas les groupes et tout. En gros il y avait beaucoup de nouveaux joueurs et tout. Merde j'ai pas pris la quête. Ah non c'est bon. En mode au secours il s'est passé. Il y a eu un truc. J'ai l'impression qu'une seule faction peut avoir tous les territoires. Il y a plein de territoires ils ont pas défendu, ils ont un peu FF et tout mais en vrai si tu joues en fonction des serveurs que tu joueras ça sera pas possible. Surtout si les guilds s'allient en fait, si les deux autres factions s'allient. Et s'ils alignent à chaque fois les meilleurs joueurs, tu vois, pour des attaques ou des défenses, ça peut être quand même très difficile. Donc à voir en vrai. Il est probable aussi qu'il y ait une faction dominante sur un serveur. Après à voir ce qu'ils feront pour. Parce que là, nous... Disons qu'on a une chance que nous, nos joueurs, n'ont pas arrêté de jouer et du coup, il y a énormément de gens. Venez, venez, on repasse par la rivière. Comme ça, si jamais il y a un call devant le fort, on peut back le bus. Sans passer par le pont. On évite juste d'aller dans les hautes herbes là, de la forêt. Hop. On essaie de se regrouper juste après la rivière, qu'on attend un petit peu tout le monde. Je pense que tout le monde a sauté. Vas-y, on continue. Juste longer. Salut Dribal Z, bonjour. Comment ça va? Tu joues sur quel serveur? On joue sur Nav. On joue sur Nav actuellement. Ok, il y a un go back là qui est annoncé. Et avancez dessus, vous, avancez dessus. Les autres, allez au fort hein, si jamais.
On va pas rentrer dans la forêt, on va longer la route sur le côté, ok? On longe la route. On longe la route à droite. On longe juste la route à droite, on rentre pas dedans. Je vais boire un coup. Laissez-moi. Les jaunes et les verts, laissez-moi boire un coup. Boire un coup. On continue un par sud-ouest. Donc on va faire le tour avant pour... on va passer porte est du coup. Quand on descend. Donc on va juste aller tout droit. On va pas passer par le devant de la ville parce qu'ils sont là en train d'attendre et c'est chiant. Hop. Pas envie de perdre des gens dans des quêtes. On est un petit groupe, c'est normal, mais tranquille. Hop. Allez, venez, on passe juste à droite de la rivière pour pas être dans l'eau. Venez, venez, venez. Et on y va. Hey Juju, je me suis endormi quand t'as cut hier et me réveille sur ton stream lancé déjà. Moi ça va, c'est Jux. T'as réveillé. Hop. Ah oui, c'est intéressant, bien sûr. Archi intéressant. Allez, du coup, pareil, on va rendre et on se redonne rendez-vous devant cette porte. Il y a l'heure pour l'avoir de 16h. Il est quelle heure? Il est 15h. 15h, encore un petit moment. Vous pouvez... Je viens d'avoir mon message là, The Town Project. Vous pouvez crafter du coup la table T4 à Monarch. Pour ce qui est de l'Arcane Repository. Voilà. Donc s'il y en a qui veulent monter un petit peu leur repository, la table T4 est disponible dans la ville de Monarch Bluff. Et normalement le bois aussi T4 va pas tarder sur, à se valider sur Everfall. Si c'est pas déjà le cas. Donc j'étais déco. Allez, on se donne tous rendez-vous devant la porte. Hop. Je veux de la foudre pour l'avoir, je suis là. Normalement, c'est ok de mon côté, Punk. C'est ok de mon côté, normalement. C'est ok, gros. Essaye de voir peut-être avec Petit-Fils si tu dois distribuer des choses et s'il faut que tu achètes des trucs, tu me dis, je t'envoie quelques gold. Essaye de voir plutôt avec lui. C'est bon pour tout le monde? Est-ce qu'on attend un dernier? Je crois qu'il y a un dernier. Non, pas du tout. Allez, bah c'est parti, les gars. On est parti. On va pas sauter parce que j'ai vu qu'il ça se coûtait un petit peu. Donc si nous attendons en haut pendant qu'on est dans l'eau, ça va être chiant. Donc on repasse tranquillement sur le côté. Là, on va faire le tour pépère. En restant de notre côté. Je vais vous laisser pour aujourd'hui. Bisous tout le monde et bon stream. Bisous Calamity Jers. Bisous bisous. Bon après-midi. Un verre nous suit, ouais normal. Tranquille. Ok. Donc là vous avez vu, direction le fort les petits potes. On va essayer de récupérer. Pensez vraiment à vous bind, hein, ceux qui meurent, ceux qui... Oh, oh. Ah oui mais c'est lui, tu nous as redonné, yes. Je vois, merci. Ouais normal, 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 normal. 7500 gold, je rends les PO. Oui, oui, je... Tranquille. Donc oui, ceux qui meurent au fort, encore une fois, hein, n'oubliez pas le petit campement à côté. Vous rentrez dedans une fois un petit peu paqué. On va arriver, nous, de notre côté. Ok, donc nord-ouest, nord. Nord-nord-ouest, plutôt. C'est dit.
Ensuite, on ira faire nos quêtes. Non, mais hé, hey, Osef, c'est pas ta faute. C'est pas votre faute, les gars, pour la déclaration de guerre. Il y a eu la mise à jour et tout. C'est pas du tout votre faute. Tranquille, hein. Vous prenez pas la tête, hein. C'est pas grave. Hein. On va juste recommencer à faire les choses qu'on avait fait hier. Pensez juste, si jamais vous êtes dispo ou quoi, avertir vos guildmates de venir nous aider pour faire les quêtes. Ça ira un peu plus vite. Il nous reste une heure avant la guerre et je pense qu'après la guerre, on va se réacharner dessus. Donc tranquille. Nouveau Riz. Donc les amis, on rentre porte nord-ouest, ok. On reprend le forge. Juste pour clean, on ressort de l'autre côté au besoin. Je pense que ça s'est calmé. On rentre juste, on check. C'est ok le fort. Ok, on rentre, on ressort par la dernière porte. De la porte de l'autre côté, donc tranquille. On va juste faire reculer ces gens. Ouais, de toute façon, ça va free click. Dommage pour moi. Est-ce que je peux avoir un boost de vitesse? Parfait. Hop. Voilà. Allez, go quête. Continuez nord. Continuez nord. Hop. Et on va faire nos quêtes. Je pense que no joke, on est probablement la seule faction à s'investir à 100% de toute façon. Genre tout le monde répond présent et tout et c'est grave plaisant en vrai. Kama qui me fume sans deck. Il est en live aussi? Ah, il est pas en live, tu dis? J'ai des screens d'items si tu veux. Pour l'instant, 650 max. Oh! Ah oui! 650 max. Mais c'est quoi? C'est du craft du coup? Il vient de lancer? Ok. Et ben, dites-lui que si jamais il ramène ses gens à Windsor et que de toute façon, qu'il me call une fois qu'il aura fait sa petite intro tranquillement. Dropcraft? Ah, c'est intéressant, Léon. En vrai, si t'as fort constitution, let's go. C'est bon, on peut trouver un pur bâton de soin level 60. Quête de faction niveau 60. Hop. La. Et de toute façon, on est un peu obligé de faire deux quêtes sur trois à cause des loups. Donc, là, si jamais les gens voient des loups, c'est bon. Donc voilà, ça, en plus de ça, on a pu faire les loups. Nickel. Ah, c'est trop marrant. Mais normalement, même si libère, tu les as mis down, tu dois récupérer des choses dessus, crève. Hein. Ah bah oui, on est prêt à 16h. De toute façon, Monarch est une ville... Enfin, vous savez, c'est la ville des Yes. On l'a depuis le début de la bêta. Et je peux vous dire qu'elle est un peu up niveau défense. Donc au niveau de l'utilisation des leads de GVG, normalement, en vrai... S'il n'y a pas de soucis, comme genre les heals peuvent pas heal, par exemple, et les tourelles ne font pas de dégâts, voilà. La ville fait mal en elle-même et elle est assez résistante. Hop. Qu'il a resté sur la route. Regardez le gameplay. Le mec a même pas bougé. What the fuck en fait.
Upgrade hard point to tier 3, let's go. Allez, on continue sur cette route et on va rendre. T'as toujours moyen de roam, mais c'est vrai que Guild Wars 2 avait l'avantage d'offrir le point d'intérêt pour le PP sauvage, par exemple. J'ai jamais joué à Guild Wars. J'ai vraiment jamais joué. J'ai peut-être lancé une fois Guild Wars. Parce qu'il y a très longtemps, j'avais une copine qui jouait. Moi je jouais déjà beaucoup à WoW et du coup quand elle m'avait montré tout ça, elle était en plein PvP, j'étais en mode oui, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Quand le bassin d'Arati là, ouais, c'était un peu ça le call. Ouais. Allez, je me lève et je vois que Dewar ou Winstar, les exilés fiscaux attrapés par Lushraf. Mais juste pas. Ah, viens audio et go recommencer là. Aujourd'hui, on doit tout gagner. Hein. Aujourd'hui, on doit clairement tout gagner. Je veux pas perdre Monarch pour les yes. Il faut pas perdre Monarch pour les yes. Même s'ils sont plus sur le serveur, c'est un peu le petit truc qui fait que pour moi, ils y sont toujours. Non, le musqué là, il faut pas tirer, il faut juste rentrer en ville. Et oui. Faut pas rentrer en ville. Le feed. J'aurais besoin de runes. Oui, mais quelle rune, Patoche? À chaque fois, j'ai la case grise pour... Alors, pour ce qui est des voix, les amis, il faut que vous voyez dans quelle guild vous êtes et que ça... En fait, ça se gère sur des discords. Si vous n'êtes pas sur des discords, vous ferez jamais de voir, en fait. C'est ça, le truc. Parce que c'est pas moi. Une pour Firestaff. On s'attend un petit peu. Bah, il faudra voir. Faudra voir, Patoche. Enfin, quand tu dis rune, en fait, c'est gemme, tu parles. Parce que des runes, j'en ai pas, quoi. Ouais. Rendez-vous porte ouest, comme ça, on leur laisse devant. Là, ils mangeront leurs ongles. Pendant que nous, on nous fait notre petite quête tranquille. Oh. Oui, bah j'aurai des gemmes tranquille. Allez, on s'attend tous devant, on est à 17%. Ça se coûte de toute façon. Allez, venez! Azera, 16h, juste, tu sais, je sais pas, avec toute la Trackmania de hier, je sais pas du tout s'il sera là à 16h. Peut-être. Je sais pas, je suis pas au courant de ça. c'est un peu ça. Okay. Vous pouvez passer par le fort. Ouais, on va passer par le fort. On passe par le fort, au besoin, de toute façon.
Pensez vraiment à vous tag dans un campement juste à côté. Hein. Ouais, mais Mix, on peut pas mettre énormément de gens parce que. Faut qu'on arrive à monter quand même cette barre. En vrai, si tout le monde reste au fort, après, on montera jamais. Ok, direction nord, hein, full nord, hein, pour ceux qui étaient avec moi, ouest. Sortie ouest. Full nord. On passe par le château comme tout à l'heure. Et ensuite, on repart au nord pour les quêtes. Il y a un générateur qui te rend ton matériel de pêche. Ah, mais là, les guerres vont être costauds parce que tout le monde est 50 plus en vrai. Beaucoup de joueurs sont 50 plus et tout. Du coup, c'est dur. Allez, du coup on rentre porte nord comme tout à l'heure et on ressort par l'autre côté juste pour clean le truc. Il y a des gens dedans, on clean et on ressort de l'autre côté. Mais ça a l'air ok. Ok. Allez, on ressort par l'autre côté. Toujours direction nord. Et on fait nos quêtes tranquilles. Et on va les rendre. Vous savez que la 2H axe double hit sur sa deuxième attaque lourde. Mais il faut avoir le... Il faut avoir le spell de la charge, non? Ouais, je pense qu'on peut faire ça. Mix, est-ce que tu peux... Est-ce que, vu que t'es au fort, est-ce que tu peux laisser ta place pour Kamak, s'il te plaît? Comme ça, au moins, si jamais, tu continues à me donner les infos par le F. Et comme ça, on groupe Kamak avec moi. Après, je sais pas s'il restera sur le fort ou quoi. Le reverse, double hit. C'est quoi, c'est une attaque lourde derrière, c'est ça, en gros? Merci. Kamak... Le spell clip, il me semble. Ouais, je crois que c'est un spell qu'il faut de toute façon. On va penser à tuer des loups sur le passage, mais vous focussez pas dessus. Au pire, vous finirez la quête après. Hop. Vous attaquez les runes avec le nom sacré, vous devenez une machine. Vous savez où je peux avoir une clé bêta ou même acheter. Salut Narax, tu peux juste précommander le jeu sur Steam, tu pourras y jouer directement et puis c'est jusqu'au 3 à 8 heures du matin pour la bêta Narax. Pour ce qui est des clés, certains streamers en ont encore et en font gagner, mais moi je sais plus où j'en suis au niveau des clés. Passer par la rivière, hein. Passer par la rivière, comme tout à l'heure. Comme ça on regarde derrière le campement si jamais ça stack pas. Je
C'est un peu ce que je t'ai dit, tu verras que sans skill ça marche. Regarderai, mais c'est vrai que des fois ça m'arrive, la dernière fois je crois qu'on en avait parlé et des fois ça m'arrivait et des gens me disaient tu vois là t'en as fait deux. Je sais qu'avec la charge et le timing tu peux en faire deux aussi. Le jeu est plus cher maintenant, on voit sa sortie. Je pense pas que le prix changera. En fait, t'as deux éditions actuellement. T'as la celle de 40 et 50 euros. Et celle de 50 euros, c'est une édition un peu genre avec des skins en plus. C'est tout. Sachant qu'en restant sur les lives des streamers de l'événement, tu gagnes un skin pour la release. Et en plus de ça, les gagnants et les streamers de participent à l'événement pourront faire gagner sur leur chaîne des skins. Tout simplement. Vas-y, on continue sud. On prend la route à côté. Comment vous allez gagner ou il y a un risque de perdre? Il y a toujours un risque de perdre tant que l'événement n'est pas terminé en vrai. Il y a des gens de chez nous qui se font poule ici là. Non. J'ai cru. Les bannes qui reset et le fait que ça se remette en FR à chaque lancement, c'est normal. Les binds. Aucune idée. Jamais eu ce bug sur faute et couille. Salut Firos. Bonjour. Hop. Allez, let's go. C'est bien. On n'est pas énormément non plus, mais si tout le monde les fait, ça monte, donc c'est tranquille en vrai. C'est bien. Il y a une commande pour voir le classement des trois factions. Je sais pas exactement, mais t'as juste besoin d'écrire pour Google New World et tu tomberas sur le site. Et en fait, c'est dit sur le site directement. Moi, j'ai la page, je crois, mais... Non, la map est pas encore violette, il reste des trucs. Hop. Voilà. Et c'est reparti. Rendez-vous ouest. Ah oui, t'as dû te faire time out toi, de ton côté. Est-ce que j'ai le... Regardez, il est là, tout simplement. Je vais vous le mettre, attendez. Europe. Hop. Je pense que les modérateurs sont en train de faire autre chose. Donc je m'en occupe, vous inquiétez pas. Voilà, donc elle est à 3 millions, ils sont à 2 millions 2. Donc faut continuer à jouer. Juste continuer à jouer en fait. Voilà. Sachant que maintenant, en fait, les jaunes et les verts sont ralliés. Du coup, quand ils lancent leur truc, ils sont tous, ils mettent tous les streamers ensemble. Donc, le titre. Ouais, le titre. Continue de se faire PL. Let's go. Hop.
Oui, il y a eu des points en moins pour toutes les équipes. En fait, ne vous inquiétez pas, ils veulent juste pas faire gagner les Français. En fait, ils ont enlevé... vu que les autres streamers jouaient pas, et ben en fait, ils ont enlevé les invasions. Du coup, parce que les invasions, c'est 100 000 points gratuits en 2 minutes. Ce qui est plutôt normal, en vrai. Vu qu'il fallait être niveau 50 et que les autres streamers ne jouent pas vraiment au jeu, ben en fait, ils peuvent pas avoir 100 000 points. Donc du coup, ça aurait été une plus grosse déculottée. Comme on dit dans le jargon français. Tu fais comment pour mettre tes armes dans le même sens dans ton dos? Dans le même sens dans ton dos? Bah, je fais X. Je les range en fait. Oh, le fort a l'air ok. On va pouvoir traverser tout droit là. Go full non. C'est quoi les meilleures armes du jeu pour vous? Il n'y en a pas réellement en vrai. En vrai, ça dépend vraiment de toi en fait et de ce que tu veux faire. Les builds sont assez... enfin, que ça soit mono ou multi et tout, c'est assez ok. Là, ouais. Les deux. Ah bah ils sont là. Salut les gars. Pas de pause hein. Yo. Ça va? Ouais tranquille. Salut Jous, ça va? Ouais ouais ça va bien dormi. Ouais. Bon je suis à Wind, j'essaye du coup de remonter les quêtes parce qu'ils ont pas pu déclarer la guerre ouais, à cause de la maintenance. Ouais ce qu'ils m'ont dit ouais. Putain, la loose quoi. Ouais ouais c'est pas grave hein. Mais nous à chaque fois on a ça, à chaque fois on a 5 heures de machin parce que incoming invasion et il y a jamais d'invasion et à chaque fois on se fait avoir en fait. Mais deux fois quand même hein. Pas grave. C'est la loose. Là de toute façon pareil hein, il y a trois de répute d'invasion sur la map, on aura probablement encore 5 heures à attendre hein, avant de déclarer la guerre. Ah bah oui. Mais après oui, après là il y aura peut-être pas de mise. Oui voilà, après 5 heures ça va le faire quoi. En fait, faut pas le faire trop tard, faut pas le faire comme on l'a fait hier soir tard quoi. Mmh. Ça fait des déclarations qui sont là à 7h, 8h, 9h là et c'est les heures de maintenant, c'est la galère quoi. Ouais. Kenny, est-ce que petit-fils t'a parlé de la défense de Monarque? Apparemment non. Ah merde, je me suis mis de pardon. Ouais, non, pas encore, pourquoi? En fait, tout est up à Monarque. Comment ça, tout est up? Défensivement. Genre il y a la horn T4, l'huile T4, la porte T4, il y a les deux emplacements dispo, le reste est T2, T3. C'est bon alors, on n'a aucune crainte à se faire. Et il y a il y a quasiment pas mal de choses qui tiennent encore aujourd'hui par rapport au projet avec les pourcentages HP, la région HPI, donc... C'est nice en vrai. Ouais. Du coup, je pense Monarque c'est ce soir, c'est ça? Du coup, vous jouez la War Monarque, c'est 20h. Marrant. De quoi? Marrant que tu joues la War Horn, je trouve. Bah, pourquoi? Parce que c'est réputé pour être pas très fort, mais si. Pourquoi pas? Ah, petit-fils, la dernière fois, il était en mode le buff est trop fort, le buff est trop fort. Ouais, mais en fait, le buff est fort, mais enfin, après, tu vois, moi, je suis pas la science infuse, hein. Mais le buff est fort, mais je trouve que c'est trop facile à péter pour ce que c'est en fait. Ça t'enlève une défense qui peut tuer plein de joueurs contre un truc qui se délète en 2 secondes lorsqu'il est vu par l'adversaire, tu vois. C'est pour ça que je suis en mode peut-être pas fou. Mais c'est peut-être pas fou contre des bons joueurs et là ça va nous aider de fou, hein, tu vois. Je me trompe peut-être. Ah bah, peut-être faut la claquer dès le début, Egoïne. Hein. Ouais, c'est ça, c'est sûr, c'est ça. Par contre, apparemment, c'est un gros CD et on va pouvoir la tester, quoi. On va pouvoir la tester. En fait, il n'y a jamais de gaspillage. À partir du moment où tu la lances et tu dis allez lancer tout le monde go, c'est pas gaspillé, tu vois. Oui, clairement, clairement. C'est juste que quand c'est lancé, il faut que tout le monde go comme des débiles en mode on tapé. Et là, les autres ils vont se dire Smelter T4, c'est Everfall. On a 25% de def. Il y a même T5, j'ai envie de dire. C'est quoi le buff exact? C'est 25% de def. Et l'arcaniste est lancé sur Monarque. C'est un bug ici, hein, vous le voyez. Enfin, attendez, c'est Everfall. C'est un bug ici, c'est 5 ici. Hein. Je suis en train de lancer le boîte T4. Hein. Oui, c'est un bug d'affichage. Vas-y, moi je fais le chiant pour rien là. Ouais. Oh, vas-y, je me fais tatane. Et oui, hein, juste histoire de. Des fois, quand vous cliquez sur les villes, il y a des tiers 5 hein, dans les villes. C'est juste que affichage est pas bon.
Genre là, en gros, pour vous dire, à Everfall, il y a la forge et le smelter qui est T5. Et j'ai monté le bois T4. Et à Monarch, il y a le T4 repository qui vient de pop. Et c'est pareil, le workshop et le stun cutting sont T5. Ok. Bon, mais c'est bien, au moins les defs elles vont très bien tenir sur Monarch et tout, c'est long. Oui, si tout marche correctement, oui, ça tiendra. Oui, oui, moi je me fais pas de soucis. Hein. Moi je fais ça en point à chaque fois que je kill un truc comme ça. Juste, c'est plus court de par là où tu passes là pour le retour. Bah, en fait, c'est parce qu'il campe tout le temps devant la ville, donc je perds pas de gens du coup. Ok, ok. Tu peux me mettre des screens sur le Discord d'un MP, ouais, Léon, si tu veux. Ah putain, c'est vrai que ça speed pas, ça. Bon, en tout cas, pour le moment, ça monte et la résistance, bah, ils ont FF. On attend qu'ils se regroupent. Il y a eu une résistance à un moment donné ou pas? Ouais, il y a eu 2-3 trucs, quoi, comme d'hab, mais c'est souvent devant la ville, quoi. Ouais. Il y a du monde au fort, là, ou il est juste... Il y a quelques gens au fort qui défendent, ouais. Nickel. Et puis, est-ce qu'on peut essayer de voir? Go passer porte nord, on regarde juste s'ils sont là encore. Et si jamais, bah vous arrêtez pas. Moi je regarderai derrière. Les healers, restez bien à l'affût. C'est de pas trop être paqué. Bon, j'ai bien le mur de droite. Voilà. Let's go. Oh, il rampe de toute façon. Il rampe. Salut Aurel. Il peut boucler marteau semi-tank, semi-dégâts. Tu penses que ça se fait? C'est mieux full temps. Oh, en vrai, c'est jouable aussi, tu vois. J'ai une question. Quand tu peux arriver avec des bâtiments T5, la faction qui récupère la ville garde les bâtiments T5? Oui, paralysie. En fait, la seule possibilité que tu perdes un tiers d'atelier, c'est quand tu as une invasion sur ta ville. En fait, ça te downgrade un atelier random de la ville, en fait. J'avais déjà répondu. Mais oui, du coup, quand tu attaques une ville et que tu récupères la ville, tu récupères tous les ateliers qui sont dedans. Ok, on s'attend tous porte nord. On attend les derniers. Allez-y, on avance. On avance. Venez, on va se poser juste là. On attend que tout le monde soit sorti, on passe tous PVP, si jamais ils veulent se retourner, on se retournera sur eux, mais je pense qu'il n'y a rien là. Voilà, on attend là.
Attendez-vous ici, on passe tous PVP en même temps. Allez, venez, venez, le groupe de derrière. On rejoint les autres. C'est à vous attendre. Ah, c'est normal qu'on fait 7% par retour de quête. Là, on commence à être un peu plus en vrai, donc c'est cool. Mais vu que Winsward, c'est une ville qui a été beaucoup attaquée, en fait, elle met plus de temps à chaque fois. En fait, quand tu essaies de prendre des villes tout le temps, tu mets plus de temps à chaque fois pour pouvoir la prendre. Tu devrais mettre le lien avec le Moobot. Je sais pas s'il y a en vrai, mais ouais, au pire, je vais vous le remettre ici. Ah, les invasions PvE, tu perds pas ta ville, mais tu perds, comme je l'ai dit tout à l'heure, t'as un atelier qui donne grade random. Non, y a pas Lady, y a pas. Je pense que les modérateurs sont en train de probablement préparer la guerre sur un autre serveur aussi. Bon, pour le moment, y a peut-être DRK qui a une oreille sur le live ou quoi, mais... Oui, ça peut être compliqué plus tard, oui, en effet. Ouais, là. Tu penses vraiment encore une défaite possible là, vu qu'il y a plus d'invasion et c'est free win si vous jouez encore quoi? Si on attaque et qu'on perd, oui. Si on attaque et qu'on perd, oui. Parce que la défense est risquée. Enfin, l'attaque est risquée en fait. C'est ça le truc. Merci Léon, je regarderai ça. Mais ça, c'est des choses que tu peux craft. C'est juste des choses que tu as débloquées. Ah oui. Ah oui. Donc là, j'ai un crafter sur mon chat. Il me link clairement des items niveau 650 de gear. Allez, on craft. Sachant qu'il y a il a eu des drops de craft. Voilà. Et bah insane Léon. Ils sont épiques ou rares les crafts? Il y a des épiques et légendaires. Allez. Et des bleus aussi hein. Des bleus 650 hein. Ah ouais, non mais le craft c'est le plus value en termes de gear. Mais c'est déjà bien que tu puisses nous montrer un 650 parce que du coup on n'était pas sûr de ça. En vrai, si jamais tu veux me faire un stuff 650 en plaque, je suis preneur en fait. Si jamais. Bâton hit. Lady! Non, Lady! Tu t'es fait avoir! Non, pas Lady! Non, comment je fais? Lady! 300 secondes. Non. Ouais, je vais faire ça. Alors attends. C'est un monarque. Les Ouzerator. je peux être comme monarque.
Oh non, j'ai bloqué. Ah, la curiosité, c'est mal. J'aimerais jouer support buff heal, tu me conseilles quoi? Bâton heal gauntlet? Bâton heal gauntlet avec du stuff, pourquoi pas, un peu de plaque aussi pour bien prendre les coups. Sinon ouais, comme d'habitude, un bâton heal gauntlet, ça marche très bien en full support assist. Donc c'est quelque chose de pas mal en vrai. Nocturne. Oh. Être déterminante. Hein. Donc le premier territoire à défendre aujourd'hui, ça sera bientôt. Et ça sera le territoire des électro-gamers. Du côté de King. Dans 5 minutes. Hein. Yes. Faut bipper moment là. Ah oui, faut appeler moment. Bah, il est sur Discord de toute façon. Ouais, mais je l'appelle au téléphone. Attends. Mon téléphone aura décidé de démarrer. On vient de me dire que quelqu'un a eu du 700 sur le serveur où je suis. Mais t'es même pas sur notre serveur. La guerre. T'es mieux juste. Dépêche-toi, soldat. On a besoin de toi. Hold 60. 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. 10-4. Balisto. Balisto, rapport. Hold 78. Merci beaucoup pour le Prime Gaming. Bienvenue. Merci beaucoup. Le roi n'est même pas là pour défendre son territoire. Et si, il est là. Le roi, il est là. Il est mute, Kenny. Il doit parler de la Trackmania de hier et tout. Donc. Ok, le sergent, je sais pas qu'est-ce qu'il est. Sergent Balisto va être au rapport. Alors, on sait pas ce qu'il est. Je pense pas que ça sera dit de toute façon. Du Zac. Ok, ok. Ah, super, Léon. Aux espoirs. Tous. Merci, FR Ghost Gaming. Pour le deuxième mois, merci beaucoup, c'est très gentil. Ça donnait quoi, Kenya? Ils ont perdu. T'es mieux de juste. Hop. Attendez. C'est quoi ça? Tous! Sol Miedo, merci beaucoup pour le resub. C'est le 10e mois sur Just TV. Merci l'ami. Merci beaucoup. Salut Spacefire. Je vais expliquer rapidement comment fonctionne la reprise de la prise des reprises de territoire. Pour prendre un territoire, il faut faire des quêtes de factions PVP. La barre augmente. Une fois que la barre augmente, la guilde qui a fait le plus d'influence pour monter la barre peut déclarer la guerre à une ville. Ah, c'est pas l'hosto son tout blaze. Simplement. Ah, merde, et du coup, si tu gagnes ton attaque sur cette ville-là, tu remportes merde, l'attaque. Si tu la défends, bah, tu gagnes la défense, donc tu gardes ta ville. Sachant que quand tu gagnes une ville qui n'est pas à toi, tu récupères tous les ateliers qui ont été upgrade par l'autre ville, en fait. Enfin, par l'autre faction. Voilà un petit peu comment ça se passe vis-à-vis de ça. Ça monte la barre là ou pas là? Ouais, ça monte. Après là, le truc c'est que ça va probablement nous tag PVP. Donc s'il y en a qui veulent partir. Donc allez-y, hein, go, on y va tous. Continuez, hein, même si on va faire la guerre pour ceux qui seront pas en guerre. Je pense qu'après la guerre, on va tous se rejoindre ici hein, de toute façon. On va recontinuer de ouf, ouais. Ah oui, l'objectif là c'est de la mettre en guerre aujourd'hui le plus tôt possible. Ah oui, clairement. Parce que là, on est vendredi. Ça va faire samedi dimanche, la guerre sera pas avant lundi. Hein. Heureux Lady. Ouais, ta curiosité t'a puni. Ou dimanche peut-être. Aucune idée. Ah, c'est 24-48 heures minimum, tu vois. Ça dépend des créneaux en fait. C'est quand la light là? Ils ont quand leur guerre eux? La light c'est fait. First light c'était hier. Oui non, et first light ils ont leur guerre à... Enfin ils ont leur guerre contre l'invasion. Du coup après l'invasion, c'est-à-dire que ce soir on pourra aussi les attaquer eux. Ouais. L'invasion elle commence dans 4 heures. Donc ils ont l'invasion vers 19h. Ouais. Donc on pourra les attaquer ce soir, ouais, mais c'est pareil, il faudra pas. On aura peut-être encore. On verra.
Il faudra les mettre, ouais. Ça va être encore une déclaration nocturne into 6h du mat, quoi. Tu l'as vu? Ouais, j'ai vu. C'est vrai qu'il m'a mis un petit screen comme quoi il paye ses taxes. C'est beau. On peut déjà augmenter la barre d'attaque à Light Sash-le. Ah ouais? On peut déjà... Ah oui, bah oui, comme ça après l'invasion c'est déjà... Ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Bah finir ici d'abord et puis après l'autre, direct aller sur l'autre. Ah d'ailleurs, t'as baissé les taxes à Monarch, non? J'ai baissé les taxes partout. Ok, moi c'est tag. Ouais, moi aussi c'est tag. Du ouais, coup pareil. C'était 500 balles la semaine à la... Neko, elle traîne autour pour le moment. C'est passé à 235. Quand j'essaie de la mettre dedans, elle reste un petit peu, mais pas assez pour prendre une photo. Un manque à gagner de 200 balles pour toi. Hein. Mais elle traîne autour. Ah, elle est, je l'ai au bord du lit, du coup, elle est un peu curieuse et tout, donc elle est en train de voir. Allez, les popotes. Promis, dès que je la vois dedans, je t'envoie une photo. Enfin, qu'elle soit seule dedans, parce que sinon, ça serait nul. Tu vois, je la prends jamais dedans, je fais une photo. Comme ça, quand t'auras la photo, c'est qu'elle l'a vraiment fait d'elle-même. Ah, il y a le Discord. Maman a rejoint. On va rejoindre le Discord. Ouais, vas-y, c'est parti. Hop. On va rejoindre les Electro Gamers. Vous avez majoritairement des canons, ok. Bonjour. Il y a un petit peu de minigun sur le Teco, mais il y a majoritairement que des canons. Ok, vous le voyez, vous les voyez. Les canons font extrêmement mal, ils sont tout beaux. L'huile, pareil, ça fait mal, c'est tout beau. Du coup, vraiment, je veux des ranges. Je vais signer un groupe dans mon groupe là, en 2 spi. Des ranges, genre. Inigo, t'es plus en range, hein. Nope. Ah, mais il y a Paulinois. Il y a Paulinois dans mon groupe. Dis-moi, qui est la personne qui a dit. Il y a Orny. Orny. Pour bien, je fais un petit AFK bio. J'arrive de suite. Paulinois, l'homme à 1 million de dégâts sur canon. Exactement. Paulinois, tu connais. 14 millions. Au canon. Ne tirez pas dans les packs, sinon vous avez des packs et du coup les mecs corps à corps ne pourront plus mettre des failles efficaces. Pour l'expert. Vous pouvez le faire que si vraiment vous sentez que ça va faire un maximum de dégâts quoi, sinon évidemment évitez. Vous pouvez tirer par contre les canons ne TK plus. Pour une raison qui m'est inconnue. Il n'y a pas eu de patch ni quoi, comme quoi ça a été enlevé, mais du coup les canons ne TK plus. Et donc vous pouvez tirer sur les mêlées sur vos alliés pour les dégager et pour leur faire un maximum de dégâts. Un canon peut crit et un canon peut headshot, ça one shot. Ok, dans les deux cas. Sauf si le mec a plus de 11 000 HP. Ok les amis, je vous invite à faire un trade sur Petit-Fils en disant votre pseudo plus votre classe. Je vais me mettre sur le main point. Et sur le même point, je suis derrière le même point, très sur petit fils suivant de votre pseudo et votre classe. Oh. Mac, je sais Mac que. Ouais, je te connais. Ok, Léon. De toute façon, on va probablement en faire ce soir. Et dans mon groupe, le groupe de petit fils, du coup, je vous invite à acheter des canons. Tank, Poc. Attendez, ceux qui me trade évidemment. Sata, tu joues beau. Sub. Yes, je suis beau aussi. Ok, beau aussi. Je cherche le food évidemment dans mon inventaire. Hein. J'en ai 1 milliard, je les connais pas toutes par cœur. Ouais. Port, tu joues melee toi? Yes, donc full constitution. Def, on va décoller là avec mon groupe. T'as rien d'autre à. C'est bon. Les leads, elle est juste TS. Et... Yes, j'y suis. Groupe C7, on décolle en bas, je vais créer une channel, les gars. Fire staff. Groupe 4S5. Staff et moi. Fire staff. Petit fils et d'autres leaders partagés pour la guild Kenny. Allez. En fait, les 3 points sont lead par 3 leaders et ils s'entendent tous sur un TeamSpeak. Un TLPF. En gros. Oh merde, t'as qu'un TL. Evalus, dis-moi. Evalus tank.
Thanks. Fort, super. S'il vous plaît, go pas trade, s'il vous plaît, s'il vous plaît, allez. Allez, faut du trade. J'ai déjà dû répondre, mais t'as jamais pensé à jouer avec un Execo ou bleu H? Si, y a des builds qui font que, mais en vrai, est-ce que je serai plus résistant ou pas? Est-ce que je serai un pur DPS? Est-ce que je vais résister moins dans la mêlée? Probablement aussi. C'est bugué. Je vais trade avec toi là. Jusquette. Donc en fait, moi je suis juste là pour saouler les mecs en face, essayer de rester un maximum entre les gens et pouvoir mettre mes routes, mes stuns, mes trucs. Et en fonction des gemmes des gens, vous voyez, bah augmenter leurs dégâts. Ah, non, bah bon, ça va quand même être dommage. Comme ça, c'est dommage. On se gâtait. Et il arrive. Moi, je suis beau. C'est pas toujours les foot les plus optiques, vous savez. Du PVP sur ce jeu, oui. Merci. Là, on va faire du PVP de. En gros, là, si. Il faut qu'on défende notre territoire contre 50 mecs en face. S'il gagne, il gagne notre territoire. Gain. Et il y a du PVP sauvage aussi, en fonction de si tu veux l'activer ou pas. Et du coup ça zerg ou PK en petit groupe. Ok, Yadama. Salut Mao. Bouclier. Non, ça durera pas 3 minutes vu qu'on est en défense. Ouais, je suis à 190 de rip. Ouais, je connais pas. 272. Vraiment, j'ai pas encore assez pour aller jusqu'à là. Il serait insane en vrai. Écartez-vous de moi évidemment si je vous ai donné votre food. Merci. Groupe 9, ça donne de la bouffe. Et de la bouffe. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. Pour le moment, Joker, oui, c'est 60, oui. Shit. Tapé. Thanks. Change the score. Ouais, il a l'air pas trop mal, mais c'est vrai, des fois qu'il a cramé des CG. Ouais, il paraît, ouais. Open World PVP 2 pour le groupe 4S5, s'il vous plaît, merci. Bah, y a à chaque fois, il y a des leads différents de chaque groupe et tout. Bon, sur ce, je vous signe. Bah, 717, bonne chance pour l'avoir, tout le monde. Bisous, Forgotten. Bon film. Comme vous souhaitez, par contre, le trade. C'est une bouffe. Je joue en full lourd pour avoir plus de CC sur ce que je fais en fait. C'est pour ça que je joue pas en light. Tu joues quoi? En fait, le fait d'être full plaque te donne aussi un bonus de full CC. Donc après, je pourrais mettre 3 pièces lourdes et 2 plus petites, mais j'ai peur que ça me pèse un médium. Et un médium, j'ai pas envie de. Amsterius? Mousquet à la chaise. Mousquet à chat. Bon, ben on va tester. Dès que c'était fort, c'est très important. Que mon but c'est vraiment essayer de manger, être à l'avant tout le temps et back en fonction d'eux. Voilà. J'ai une question, est-ce que quelqu'un est attrité à réparer toutes les toiles? À les réparer non, mais du coup je pense que Polinois et Orny peuvent s'en occuper. Ok. L'arme au ring au max. C'est heal. 30 sur 50. Les tanks, oui, c'est vrai. Donc les tanks, on prend les potions de speed. Ah, vous avez les CC. Ouais, les tanks, potions de speed, c'est important. Donc le light, 20% bonus damage. Le medium, lui dit 10% bonus damage. Qu'au contrôle des buffs, lui apply de la 10% longueur. Your block stability is increased by 15%. Au contrôle des buffs, lui apply de la 20% longueur. Ouais, vous attendez un petit peu. Donc j'ai 20% de plus. 30 secondes, ok. Ah oui, le bâtiment. Oui, j'ai. On a ces trucs là. T'inquiète. Il nous manque deux zones. Donc, ça, on essaie de pouvoir aller à 100% pour redéclarer la guerre. Et ça, on va probablement le faire après l'avoir. Et là, ça sera dans la soirée pour essayer de déclarer. Mais on a une défense là à faire aujourd'hui, une défense à faire ici. Tu parles sur Discord comme là, t'es con quoi. Je sais. Je demandais justement. Ah, c'est dans le Il y a des guerres en vrai. On m'a tout volé, on m'a tout pris. Leafside, quand tu as un bouclier que tu joues pas. En fait, le bouclier, c'est pas quelque chose que tu mets dans ton dos quand t'as pas d'épée. Parce qu'en fait, les stats du bouclier se rendent
rentre en compte quand tu as une sword. Du coup, si tu mets un bouclier dans ton dos et que tu joues pas sword, tu as juste du poids mort sur toi en fait. Tu n'as pas de statistiques. Du coup, vous n'avez pas en acheté du coup. Voilà. Du coup, on achète rien, même pas des pièges. Des pièges, évidemment. Les tanks, des poussons de speed et tout le reste des pièges, des poussons d'huile, des poussons d'huile si vous avez besoin. Les pièges, c'est vraiment important, les gars, vraiment, vraiment important. Hein. Même en open world, hein. Même quand il n'y a pas le pont, vous mettez des pièges, ça carré. Hein. Ah, nice, c'est chat, c'est cool. Et vraiment, d'ailleurs, chose que j'ai oublié de vous dire, et que je ne savais pas que vous avez rajouté, on peut acheter en attaque des artilleries sur les flags. En appuyant sur eux sur le flag, vous pouvez acheter du coup des artilleries, des potions, quoi que ce soit. Je ne sais pas si ça marche en défense, je ne sais pas si là vous pourrez appuyer sur B et acheter vos trucs. Si c'est le cas, faites-le. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des tourelles ? On va mettre peut-être pas besoin. J'ai rien dit. On peut les mettre là. D'ailleurs, il est possible de ne jouer que l'épée sans le bouclier, mais du coup, devoir investir dans l'arbre Swordmaster. Oui, mais après, tu perds les stats de ton shield, tu vois. Nodes. En vrai, là, c'est dommage de jouer juste avec l'épée alors que tu pourrais jouer avec le bouclier. Après, en fonction d'eux, si tu veux peut-être te mettre en light ou quoi, tu vois. Mais ouais, je le comprends. C'est possible aussi. C'est juste que le bouclier ne peut pas se jouer tout seul. Les réparateurs vont carrer de ouf. Ok, les amis, je vous invite à vous mettre en ligne comme d'habitude. La triple ligne. Devant les portes, devant vos portes respectives. Et c'est parti. Hi. Let's go. Allez, 3 minutes 30. Je vous le rappelle les amis, je vous le rappelle une dernière fois. En face de nous, deux factions. Nous sommes seuls. Et devinez quoi ? On va quand même les détruire. Hein. Et on va quand même les foudroyer en GVG. Hein. J'espère que vous êtes prêts. Et ce sera encore pire à la release. À la release les amis, nous sortirons les crocs. Nous serons énervés. Les crocs. Les crocs. Et je vous le dis, hein, on va pas que les foudroyer en GVG à la release. Hein. On sera plus très hard que jamais. Et ce sera une destruction totale et impartiale. Vraiment. Hein. Douce va taper sur le sol. Ça va se casser. Yes, encore de la maintenance. Oh. Yes, allez, let's go. Allez, let's go. Quel an ? Let's go. À quelle heure la maintenance ? Non, y'a pas Manu, c'était une joke. C'était une blague. C'est une boutade. Désolé, Manu. Ah, c'est pas grave, mon dernier GVG. On enfonce dans le feu là, en deux spins. Dans le feu là. Désolé, j'ai 80 ans, j'ai pas votre humour. Dans le feu là, please. Quel clip de fou furieux. Les électro-gamers. Les UGs. vont foudroyer. Le GVG. Les deux factions adverses. Imaginez les amis, les CPU vont foudroyer. Imaginez les amis, imaginez une histoire que vous pourrez raconter à vos enfants. Entre deux factions, on aura pris toute la map. Imaginez cette histoire. Elle va être réalité. J'ai trop hâte. C'est ce soir qu'on l'écrit les amis. C'est maintenant. On va chercher les 600 000 points. Comme j'ai dit à Kamakier, hein, comme j'ai dit à Kamakier, n'oubliez pas, hein, imaginez, ils auront perdu leur dignité, leur ville, leurs joueurs, et un de leurs streamers. Hein. C'est vraiment ballot. C'est vraiment ballot, hein. Ils auront tout perdu. Tout, absolument tout. Ah, si jamais on leur demande leur métier, ils vont terrible, répondre électricien mais c'est en la fait. Réalité. Hein, donc, Ouais, c'est long métier, je sais. Mais on peut pas faire mieux. Ah bah c'est sûr. Non, ils sont électriciens tous là. Les gars, ce soir, je veux que vous ayez des Rocorones en béton armé, ok ? Vraiment, en acier. Je veux que vous avanciez, que vous alliez loin, que vous soyez spread. Je veux que ça joue bien ce soir. Enfin cet après-midi, ce matin pour moi.
Je veux que c'est solide sur les appuis. Comme jamais vous l'avez été. Bah électricien parce que foudroyer et électro gamer. C'est nos cœurs ce soir qui sont attaqués. On va leur montrer. Clicker fou. C'est chez nous. Clicker fou. Y'a pas de bashing de métier sur cette chaîne. En fait, depuis tout à l'heure, ils s'appellent les électro gamers. Let's fucking go. Ils veulent foudroyer les adversaires. C'est électricien leur métier. Let's fucking go, les gars. C'est maintenant. Dans 13 secondes. Courage. Écoutez vos tanks, les amis. Écoutez tous. Écoutez Fusio. C'est parti. Les tanks, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Poli, Orni, je compte sur vous. Il y a personne en face. Yes. Personne point C pour l'instant. Si, sort. Parfait. Ok. Commencez à aller vers A. Vers le nord-ouest. Vers le nord-ouest, ouest. Potion speed, tank. Potion speed, on va avoir une énorme faille. Énorme faille. Sur la route. Continue sur la route. Continue sur la route. Parfait. Il nous faut les zones là-dessus. Le pack derrière. Je vais le chercher loin. C'est faille dedans. Parfait. Sur la route, les gars. Sur la route. Il nous faut les gens sur la route. Du huile sur la route. Du huile sur vos tanks sur la route. Allez, les gars. On continue. Il nous faut de la sur le tank. Il nous faut de la sur les mêlées. Allez, les gars, vous continuez. Attention sur les points. Il nous faut des gens sur les points. Tous ceux qui restent sur les points. N'allez pas trop loin. Parfait, ce que vous faites. Parfait. J'arrive tout de suite. Petite faille derrière. Au niveau du flag A. Ok. J'arrive, les gars. Je vais sauter, excusez-moi. Continuez, suivez-nous. Trop bien censé, ne vous inquiétez pas. Je suis en train de respawn, ça part. Pas mal d'artillerie de poser, tu auras. Ok, les gars, ceux qui respawn, achetez des barils. Ça prend des barils et sur le push on les détruit. À gauche du flaga, ça va être une faille, y'a du monde dedans. Fusio, je compte sur toi pour regarder B, ok. Orni, Poli aussi. Ok, les gars, comment ça push sous artillerie, les gars. Juste derrière le flaga, les gars. Vas-y. Poussez, il nous faut Zao là-dessus. Spread up les ranges. Poussez les ranges. Poussez les mêlées. Poussez aussi. Poussez, les gars. Poussez, allez chercher les ranges ennemis. Allez les chercher, les gars. Poli, Orni, il faut être sur l'artillerie. Faille à gauche, sur les 4. Par A, Orni et Poli. Il nous faut des canons sur A là. C'est important. Les mêlées, avancez, contournez-les, pétez le mec sur l'artillerie, c'est important. Il y a beaucoup de minigun PF. Les gars, les casters, les heavy, go monter dessus, ils savent pas quoi faire. Énorme fight derrière. Ça prend du dégâts. Du DPS là-dessus. C'est stun devant les tourelles là. Ça va être snare. Parfait, continuez. Posez des barils maintenant. C'est stun, ça continue. Ils sont tous dans la fight, tous. Y'a 15 mecs qui meurent là-dessus. Allez, les gars, ça continue. Très bien ce qu'on fait. Très bien. Les ranges, arrêtez de tous taper 3 mecs sur le point. Pitié, avancez. Il nous faut une DPS. Aidez vos mêlées, on fait un taf de malade là. Faites sur le point. Parfait. Maintenant sur le point. On se retourne, il n'y a plus trop de range. Pétez les artilleries, les mêlées. Je veux des tanks qui se retournent pour les mêlées sur le point. Je sais tank. Tous les mêlées DPS, pétez-moi ces artilleries. Pétez-les. Comme vous avez jamais pété quelque chose. Foudroyez ces artilleries, les gars. Foudroyez. Potion CD. C'est faille sur le point. C'est stun dessus. C'est Rostun derrière. Allez. Allez, les gars. Allez, ça part de là. Ça meurt. Parfait. Ce que vous faites. Parfait. Allez, ça reprend des barils, les gars, Il me faut des barils, ça détruit les artilleries. Eh, les gars, il faut des vomelles, les gars. Maintenant, on avance, les gars, énorme fight, ça continue. Eh, les gars, on s'arrête pas maintenant. Ça continue. Pétez les artilleries, allez. Monte sur le point B. Ok, mon groupe pour OTB maintenant, vite, B maintenant, tout le monde, plus vite que ça. Potion speed si vous avez. Je popo. Ça va, il va y avoir une grosse faille sur le flag, préparez-vous dans 3, 2, 1, c'est faille, ça va être faille, c'est stun dedans, je faille. Encore, tout là-dessus. Regroupez. Tout vos CD là-dessus, y'a tout le groupe qui meurt, tout vos CD, allez, on push, ils ont qu'à le point, c'est pas grave, les gars, c'est pas grave.
Allez, on continue, on continue, on continue, on continue, on continue, c'est tout le groupe qui meurt là-dessus. Je veux que t'achètes des barils, achetez encore des barils, achetez encore des barils. Achetez des barils, on retourne sur un maintenant. Achetez des barils, on retourne sur un maintenant. Finissez ce que vous avez sur vous, finissez ce que vous avez sur vous et on retourne sur un. Ah les gars, vraiment, juste finissez ce que vous avez sur vous et ça retourne sur un. Très très bien ce qui se passe. Restez sur B, il y a encore pas mal de monde, il y a encore pas mal de monde à tuer. On a encore des mecs sur route, on a encore des mecs sur route. Reste sur B, il rotait de Vera, il rotait de Vera, il rotait de... Allez les gars, commence à aller Vera, commence à aller Vera, commence à aller Vera, commence à aller Vera, commence à aller Vera. C'est comment ces petits fils là? Non, ok, allez c'est, allez c'est, allez c'est, allez c'est, qui vient? Allez c'est, allez c'est, qui vient besoin d'aide? On aura besoin de tirer. Allez c'est, allez c'est, allez c'est, tout le monde sur C, tout le monde sur C. Orni poli, soutenez pour les canons C, soutenez pour les canons C. Lévi, sautez sur le flag hein. Il faut se fight sur le flag les gars. Ouais, allez vraiment. On va le monde du C, on va la perdre le C. On arrive, on arrive, on arrive, on arrive, on arrive. Let's go les gars, let's go. On arrive juste devant, on va mettre des failles devant. Ça rotate A, ça rotate A, ils vont sur A, ils vont sur A. Battez-vous dessus, la faille, les failles derrière, les failles derrière. Tous les mecs qui respawn sur A, tous les mecs qui respawn sur A, tous les mecs qui respawn sur A, on wipe le groupe C très vite, on wipe le groupe C très vite. Tous vos CD sur le faille. Ok les gars, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on rotate, on rotate, on rotate, on commence à rotate, on commence à rotate, on commence à rotate sur A. On commence à rotate sur A, maintenant, maintenant, on commence à rotate sur A. Allez les gars, on se fait prendre de vitesse. On commence à rotate sur A. Ça part, ça part, ça part. Vous avez entendu, vous avez entendu. Commence à rotate sur A. Y'a des gens sur la route, c'est pas grave. Commence à rotate sur A, commence à rotate sur A, c'est important. Orni poli, les canons sur le point, les canons sur le point, c'est important. Vraiment, spreadez-les s'il faut. On arrive, on arrive, on arrive les gars. Allez, 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 allez. Allez, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas, on s'arrête pas. Énorme faille encore sur le point ici quelques secondes. Dans 3, dans 2, dans 1 les gars. Dans 1 les gars, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant, c'est full fight. C'est full fight, c'est full fight. Il faut du full up dessus, du full up dessus. C'est full stun, c'est full stun, c'est full stun les gars. Allez, ça continue, ça continue. Ça wipe le groupe, ça wipe le groupe, ça wipe le groupe. Lévi, go dessus, go dessus, go dessus. Allez dessus, tout le monde, tout le monde dessus, tout le monde sur le point, tout le monde sur le point, tout le monde sur le point les gars, tout le monde sur le point, tout le monde sur le point, tout le monde, tout le monde, tout le monde sur le point, tout le monde sur le point, tout le monde sur le point. Des failles derrière, hein, c'est encore failles derrière. Tout le monde sur le point, faut du sur le point. Allez-y, du monde sur le point, du monde sur le point, du monde sur le point. Allez-y, allez-y, allez-y. Votre cœur sur le point, je veux votre cœur sur le point les gars, je veux votre cœur. Sortez pas du point, sortez pas du point. Ne sortez pas du point les gars. C'est celui, c'est le plus de nombre sur le point qui gagne. C'est celui qui a le plus de nombre sur le point qui gagne. Allez, allez les gars, allez, allez, on tient, on tient, on tient. Tous les respawns, tous les respawns sur C, tous les respawns sur C, tous les respawns sur C. Tous les monde qui respawn sur C, tout le monde qui respawn sur C. Allez, allez chercher les ranges qui sont l'eau derrière. Allez chercher les ranges qui sont l'eau derrière. On rotait maintenant, on rotait maintenant, on commence à rotter, on commence à rotter, on commence à rotter. Tu les mecs sur la route, les mecs entre A et C là, sur la route, sur, dans les bois les gars, dans la forêt, on a des gens. Tous les mecs qui respawn sur C, tous les mecs qui respawn sur C, tous les mecs qui respawn sur C. Allez les gars, tuez cette faille, on était sur C maintenant. On était sur C, on était sur C. Allez, il faut des failles derrière le point, derrière le point, il faut de la haute derrière le point. Il faut sur le point. On va perdre le point C. On est sur le point C, il faut sur le point C. Allez les gars, on avance sur C, on avance sur C, on avance sur C. Il faut du monde sur C. Il faut du monde sur C les gars. On va peut-être le perdre. C'est perdu, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Ok, rotez tout sur A, tout sur A, tout sur A, on rotez tout sur A, on rotez tout sur A, on rotez tout sur A, c'est pas grave, on rotez tout sur A. Lévi, go dessus, hein, go dessus, les healers, bien les heals dessus, hein, bien les heals dessus sur les failles. Il faut pas qu'on sorte de ce rond, les gars, jouez tous dessus, ouais. Hein, tout ce qui est vie. Hein. Les gars, tous les mêlés, tous les tanks sur A, sur le point, littéralement sur le point, littéralement sur le point, je veux sur le point, sur le point, je veux tous les heals sur ce point, tous les heals, absolument tous, tous. Pas vous les heals, je veux tous les sorts de heals, ok? Je veux tous les sorts de heals sur le point. Y'a des failles, y'a des failles, allez, allez, ça stun, ça stun. Fous la haut là-dessus, fous la haut, ça prend de la haut, ça prend de la haut, ça prend de la haut, ça meurt, les gars, ça meurt. Allez, ça meurt sur ce point, ça meurt. Allez, les gars, ça meurt, ça continue, ça prend des armes, parfait. Vous achetez des barils et allez détruire ces canons, s'il vous plaît. Allez, très très bien ce que vous faites. Les hatchets, allez chercher les ranges en face. Pendant pitié, j'ai freeze, pitié, non! Une fois, c'est une Discord au cas où mon freeze s'arrête pas. Pitié. Les tops, continuez de cool. Juste, continuez de cool. Ah, c'est une Discord. Pitié. Fusio, stream-moi, pitié! Merci. Tranquille, tranquille, gardez toujours là. Il y a juste le back. Faut aider un peu le back, faut aider un peu le back. Nord, regardez, dans les buissons, il y a tout un pack, dans les buissons, il faudrait une faille dessus, ça revient sur le point, regardez-le, à droite du point, ça va être faille les amis, ça va être un full regroupe, c'est full route, on est à eux dedans. Allez, tous les tanks, tous les mêlés sur le point,
tous les tanks, tous les mêlés, je veux votre corps sur le point, votre corps sur le point les gars, votre corps sur le point, votre corps sur le point, je veux tous les AOE de Levi, on dort dessus, on dort dessus Levi. Allez les gars, les ranges, tous vos AOE sur le point, tous vos AOE sur le point, allez tous vos AOE dessus, parfait, ça tombe les gars, ça tombe. C'est ça que je veux, faut continuer, vous arrêtez pas comme ça. Très bien les gars, très bien, ça continue. Regardez à gauche du flag, y'a une faille qui va partir. Les gars, juste à gauche du flag, écoutez-nous, suivez-le, c'est cool, suivez-le. Les soins, n'oubliez pas de bloquer, les soins, n'oubliez pas de parer les gars, c'est 10% et 20% de défense que vous donnez à tous vos mêlés. Très bien ce qui se passe, très bien. Allez, maintenant les ranges, allez chercher les ranges en face. Les ranges, allez chercher les ranges en face. Pareil, les hatchets, allez chercher les ranges. Les gatlines de gauche, c'est pas dessus. C'est parfait. Allez-y, follow vos tanks, follow vos mêlés. Y'a Fusio, Inigo, y'a tout le monde derrière. Allez les gars, ça pousse. Allez les gars, j'ai collé le groupe de garder le point. Allez, ça avance les gars, ça avance. Lévi, revenez sur flag. Venez aider. C'est stun sur flag, allez. C'est stun sur table. Vous pouvez remettre des AE dessus. Allez les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les potions de healing CD, c'est très important. Ça arrive dans le bac. Vous avez entendu. Donne-moi boussole. C'est bon, Kivi, adresse, occupe du pack. Faites la confiance, vous occupez de l'avant. Ok, vous occupez de l'avant. Gauche, gros pack. Allez les gars, vous pouvez le faire, c'est devant vous. C'est devant vous. Ceux qui respawn vraiment, achetez des barils et allez exploser ces artilleries. Pitié, très gros pack, très gros taf en face de vos tanks. Je suis en train de morco. Allez, ça continue, Jos, continue la call, continue de leur dire ce qu'on fait. Tranquille, pour le moment. Vraiment, ne lâchez pas le canon point. à droite du flaga, c'est faille dedans. Si vous pouvez mettre des AE, ça va être juste stun après. Le canon de droite là, du flag. J'ai été déco. Freeze. Ouais, y'a un gros freeze. Crash aussi. C'est revenu. Allez les gars, les heavy sur le point, juste après le point. Allez les gars, let's go, ça pousse de là. Allez les gars, Kivi, Adriano, s'occupe de votre bac, comptez sur eux, ayez confiance en eux, moi j'ai confiance en eux, vous avez confiance en eux. Allez les gars, les mêlés, c'est devant vous, c'est juste après le flag, vers le nord. Allez les gars, y'a Futu, y'a Inigo dessus. Allez les gars, je sais que c'est un peu bugué, c'est encore un peu lagué. Avancez, ayez confiance en vous. Y'a des failles. Levi, votre corps sur le flag. La faille au milieu, sur flag, les AE sur flag. Allez les gars, ça fait. Venez sur le point, même ça lag, venez sur le point. Même ça lag, les mêlés, il faut tout sur le point. Je sais que ça lag, je le sais, je le vois. Allez-y, tous les mêlés, votre corps sur le point. Votre corps sur le point, les gars. Même ça lag, tous les AOE de heal sur le point. Allez, les gars, vous pouvez le faire. Ça continue. Allez, vous pouvez le faire, les gars. Joue si tu lag pas, continue dans un coffin. Ça part de là. Ça lag à moitié là. Les amis, les mousquets, les archers, vraiment, visez les mecs aux artilleries, empêchez-les de remonter là-dessus. Allez les gars, les heavy, votre corps sur le point, les ranges, maintenant, avancez-vous aussi, on a besoin de vous sur ce point. Les mêlés à l'avant du point, les ranges derrière le point, les gars. Il faut tout le monde sur ce point, tout le monde sur ce point, les gars. Mais tout le monde sur ce point, toutes les AO sur ce point. Ça meurt, on peut tuer tout le groupe là-dessus. Allez les gars, avancez là-dessus, tout le monde, les gars, ensemble. Je respawn, hein, je reviens sur le point. Ah les gars, on a besoin de plus de monde là-dessus. Le point va être cap. Il est cap là. Il est cap, ok, reculez, tous au fort. Tous au fort, les gars, protégez les portes. J'ai pas de vision sur les portes, je suis en train de reco. Fusion est mort, j'ai pas de vision sur les portes. Du coup, protégez vos portes, protégez les mecs devant vous. Juste quittez un peu, vous allez perdre. Fusion, Joe, je compte sur vous pour les calls. On tombe, let's go. Ok les gars, les tanks dès qu'ils arrivent, l'huile, continue à les full canon. Ok, continue les gars, à taper hein, à la porte là.
Attention porte C, attention porte C. HD piège les gars, c'est full piège que ça prend maintenant. C'est full piège, full piège, full piège que ça prend, full piège que ça prend. Les tanks, je veux voir sortir, mettre des pièges devant la porte. Attention, il y a la porte qui a déjà été pétée. Sur C. Ok les gars, par là, par la gauche, 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 mon gros, par la gauche. La porte a déjà été pétée. Ils ont fait de la merde du côté adresse, c'est pas grave. Sur le point, Ok, sur le point les mêlés, sur le point les gars, sur le point, tout le monde sur le point les gars, tout le monde sur le point. Allez, vous plus vite. Je suis là, je suis de retour. Allez les gars, on peut le faire, c'est pas fini. C'est pas fini les gars. Full piège, full piège, full piège. Tu vois c'est mené sur le point. Tu es là. Ils sont pas invincibles les gars. Les Rennes, prenez la position. Les Rennes, prenez la position. Allez les gars, la porte sud-ouest. Il y a des failles à la porte ouest, Avancez vers la porte ouest. Il y a des Rennes à aller chercher. C'est parfait les mêlés. Tout le monde sur les remparts. Les ranges, les mêlés DPS. Allez chercher les mecs sur les remparts. Les mêlés, les ranges. Tous les tanks, tous les supports. Posez des pièges. Les mousquets, c'est faux pièges qui sont maintenant. Ça prend des pièges maintenant. Allez les gars, on peut le faire. On a eu beaucoup de gens qui ont crash. Chez Kevin, ils sont plus de 5. Je sais que c'est difficile. Vous pouvez le faire. Je crois en vous. Allez les gars. Allez les gars, ça peut le faire. C'est pas grave. On a eu des crashs, ils en ont eu aussi. Allez les gars, ça tient cette porte. Vraiment, full piège. Vous avez un instant de répit, full piège. Achète des pièges, ça pose des pièges. Posez des pièges, c'est important. Pense avant cassé. C'est plus de gars que vous pouvez en imaginer. Porte avant cassé, PF. Ok, préparez-vous les gars. Ça va arriver de tous les côtés. Vous savez ce qu'il reste à faire. Les ranges, prenez la position et essayez de garder la position. Vraiment, je veux des calls sur les failles. Je veux des pièges posés. Continuez à poser des pièges. Vraiment, sur la porte principale, les gars. C'est important. Allez, ça continue. Ça s'arrête pas. Pas de baril, là. Vraiment des pièges. Que des pièges. Parfait, très bien ce que vous faites. Attention, mêlée sur la ouest. Les mêlées sur la porte ouest. Il nous faut de l'huile sur les mêlées porte ouest. Allez, très bien ce que vous faites, très bien les gars, vous pouvez prendre dans la porte, dans la choke les gars. Putain. Dès qu'il passe la porte, ça les prend par le callback et ça les fout droit les gars, let's fucking go les gars, c'est pas fini, c'est difficile, je le sais, mais on va le faire les gars. Les gars, on se relâche pas les gars, let's fucking go les gars, montrez-leur que c'est chez nous aussi. Les gars, des pièges, ça prend des pièges. Je sais qu'il y a des canons qui vous tirent dessus. N'oubliez pas Nelos. N'oubliez pas ce que je vous ai appris. Je peux pas bouger. Vraiment, n'oubliez pas. Les triples roulades. Je peux pas bouger. C'est les canons. Je peux rien faire. Défaille. Dès que ça passe la porte, défaille. Des AO dessus. Dès que ça passe la porte, les gars, vous ne laissez pas rentrer. Ils toquent à votre porte. Vous ne laissez pas rentrer. J'ai plus de voix. Let's fucking go, les gars. On les lâche pas, les gars. Allez, let's go les gars. Continuez, donnez le plus. Faut pas jouer. Tout ce que vous avez, non, les gars, pas d'écho. Vous devez tout donner, c'est maintenant. Juste bloqué en fait. Let's go les gars. Très bien ce que vous faites. Les temps, vous continuez. Continuez. Let's fucking go les gars. Fail, AOE, piège. On s'arrête pas les gars. Non, je peux rien faire. Très bien les gars. Très bien, c'est ça que je veux. Moi je suis sur le point. Allez, j'ai plus de talent, je m'en bats les couilles. Let's fucking go. Très bien les gars. Regardez sur la porte. Regardez tous vos tanks qui sont à fond. Il faut des AO. Non, je peux pas échapper en fait. Très bien ce que vous faites. On s'arrête pas. Très bien. C'est bien, let's go. Tapez-moi. C'est bon ça. Et masse-toi devant, on s'entend. Je sais bien. Allez, let's go les gars, vous pouvez le faire, on continue, ça arrive sur le point, sur le main point les gars, pas tout le monde, il faut des AOE sur le main point, ça meurt là-dessus, il faut des AOE, toute la chat, regardez-moi ces mecs là, ils essayent de jouer full la chat, on va leur montrer que c'est pas ça qu'il faut jouer, allez-y sur le main point les gars, les mêlés, il faut des AOE, ça tombe, parfait, c'est ça que je veux, let's go. Il y a 3 détecteurs. Ok les gars, vous avez entendu Kini, il faut des rails pour reprendre les remparts. Allez les mêlés, let's go. Mais tuez-moi. Les mêlés sur le même point. Posez des pièges sur le même point. Allez, let's go sur le même point les gars, vous pouvez le faire. Let's go, tape-moi dessus, let's go. Sur la porte, dès que ça arrive, dès que ça passe la porte, let's go. Full fight. Let's go. Tout le monde sur le point les gars. Les Rage, même vous sur le point, tu vois, let's go. Tu vois, vas-y, tu vois. Tout le monde sur le point,
mettez tous les AOD sur le point, tout le monde sur le point. Tout le monde sur ce point les gars, tout le monde sur ce point. Tout votre corps sur le point, ils le prennent pas. Ils le prennent pas ce point. Ils le prennent pas les gars. Let's go. Let's go. Let's go les gars, let's go. Let's fucking go. C'est ça que je veux. C'est ça que je veux bordel. Allez les gars, allez, 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 allez. Ça lâche rien, ça lâche rien, ça lâche rien. Vous lâchez pas, vous lâchez pas, voilà mon trainer. Mon trainer que chez nous. C'est chez nous ici, c'est chez nous bordel. Let's go les gars, let's go. Let's go, ça reprend les positions, ça reprend les positions, les gars. Les gars, ça reprend les positions, ça chez des pièges, ça reprend les positions, ça chez des pièges, ça reprend les positions. Let's go les gars. Allez, on achète des pièges, ça reprend les positions, on achète des pièges, ça reprend les positions. C'est très bien ce que vous avez fait, très très bien, j'adore, 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 j'aime bien. Je sais pas, je pense que si je décore au coup, c'est la merde. Let's go, let's go, on lâche qu'un, les gars. Ah, j'appuie sur entrée. On lâche qu'un, posez des pièges, posez des pièges, posez des pièges. On lâche qu'un les gars, on lâche qu'un, posez des pièges, on lâche qu'un, ça arrive une porte, attention, attention. Ouais mais si j'étais 4, je pense que je serais sorti de la boire. Là, full fight sur la porte, des AO sur la porte, sur la même porte, les gars, sur la même porte, c'est stun, ça tombe, parfait, bordel, Les remparts sont en train d'être pris, encore. Ok les gars, les ranges qui respawn, et même les ranges. Allez sur les remparts, écoutez Kenny, faites-lui confiance, c'est le grand chef, let's go, let's fucking go. Allez les gars, on continue, on tient. Il faut des cleans contre les hôtes. Les gars, les cleans des hôtes. Il faut des cleans des hôtes sur les points. Dès que vous voyez une AO de nuage de poison, ça cleans des hôtes. Allez, allez, c'est repack, très bon François. Bah si, en fait, j'aurais pu voir les gars. Je fais que crash, je fais que recours, mais c'est pas grave, let's fucking go. J'étais quand même sur le point, mon corps sur le point. Let's fucking go. Allez, allez, let's go, très bien les gars, très bon, je vois ce que vous faites, je suis fier de vous les gars, je suis fier de vous les gars, let's go, continuez comme ça, c'est notre bataille aujourd'hui, on est grand, let's fucking go, haut sur le point, faille sur le point, vous laissez pas rentrer, les tanks, full stun là-dessus, sur le point, décline ce côté d'autre, parfait, vos potions de CD, dès que vous avez des tanks, des pièges. Attention aux canons. Vous lancez les canons. Des frostwalls. Des putains de frostwalls sur ce point. Des frostwalls sur cette gate. S'ils passent cette gate, je veux qu'ils soient frost. Je veux qu'ils soient freeze. Je veux qu'ils soient gelés, les gars. Je vous l'ai dit en tous les langues possibles. Ok, c'est bon ou pas? Parfait ce que vous faites. Parfait, les gars. Allez, les gars, ça part de là. Let's fucking go les gars. Son corps est projeté dans le champ de bataille. Attention sur les remparts les gars, cessez de reprendre. Les ranges, y'a le groupe d'Adric qui s'en occupe, mais les ranges, vous y allez petit à petit, très très bien ce que vous faites, j'adore. C'est ça le gaming, c'est ça ce que vous allez voir chez eux, jeez. C'est ça ce que vous allez voir chez Syndicate, let's fucking go les gars, Team Syndicate, let's go les gars, on continue, on s'arrête pas les gars, c'est pas fini. 7 minutes à tenir, 7 minutes, je sais que c'est long, je sais que vous en pouvez plus, mais vous allez tenir parce que c'est des putains de méchants, c'est des putains de beaux gosses les gars. Let's go, montrez-leur c'est qui les meilleurs joueurs de serveur. Qui va avoir tout le mal, c'est nous les gars. Qui vont les foudroyer en GVG, c'est nous les gars. Let's fucking go les gars. Mes voisins me détestent, est-ce que j'en ai quelque chose à foutre, let's go les gars. Let's fucking go, continuez les gars. Let's fucking go les gars. Pouvez le faire, continuez là-dessus. Sur le point, ça lâche rien, les gars, c'est pas fini, il panique, allez, sur la porte, allez, des pièges encore, on n'oublie pas les pièges, les potions de CD, aidez vos healers, buvez des potions comme vous savez, jamais rien bu dans ce bon bordel, let's fucking go, je ne sais plus parler, let's fucking go, allez les gars, let's go, allez, let's go,
Allez les gars, on peut le faire, C'est chez nous ici, c'est chez nous bordel. Allez, les gars, il y a 10 000 euros de cash prize à la clé. C'est faux, mais c'est pas grave, let's go. Let's fucking go les gars, allez, on s'arrête pas. Tapez. Quel est votre métier bordel? Votre métier c'est de défendre ce fort, c'est de taper, c'est chez nous ici. Il va y avoir écrit défi sur leur écran. C'est bon ou pas? 5 minutes à venir, 5 minutes 30. Allez, let's go les gars, buvrez de l'eau quand on aura gagné. Ok les gars, je ne vois pas d'autre coup, on n'a pas gagné. Let's go les gars. Allez, continuez, très bien ce que vous faites, très bien. Tous les mecs qui rentrent, ils ne sortent pas vivants d'ici. Allez, les gars, allez les gars, vous pouvez le faire. Devant les portes. Allez les gars, devant les portes, posez des pièges, continuez, c'est très bien ce que vous faites, j'adore ça, les gars, c'est sexe, ça, c'est ça que je veux, c'est ça que je vois. Allez les gars, ça prend des AOE, ça prend des AOE sur cette porte. Des frostwalls, c'est OP, les gars. Allez les gars, ça continue. Très bien, faites comme je vous ai appris. Ne passez pas à la porte, n'allez pas si loin, c'est très bien ce que vous faites. Allez, ça va dire les gars, ça va dire, vous pouvez le faire. Let's go les gars. Allez, ça va le faire, vous allez le faire, je crois en vous les gars. Les hatchets, ça part du début, sur les failles, hatchets dans leur mort, ça part des filles. Attention, ça va rentrer de côté. Les tanks, recule un peu. Ça rentre sur les remparts, revenez. Les rails, préparez-vous. Les tanks, je vais un full chase ici sur la porte. Chase ici sur la porte. Maintenant, face sur la porte. Oh, sur la porte. Let's go, les gars. Sur la porte. Ça meurt. Ça tombe. Let's go. Allez, des pièges encore. Des AO, ça tombe, les gars. C'est ça que je veux. C'est ça le gaming, les gars. Les gars, on tombe Délatrius et même aujourd'hui. Let's go, merde, pas le bon jeu. Allez, on continue les gars. Let's fucking go. Allez les gars, ça tombe, c'est ça que je veux. 3 minutes 40, est-ce qu'ils vont rentrer chez nous? Je ne crois pas les gars, Let's go, let's fucking go les gars, écoutez maman les gars. Sur les remparts, les raids, je compte sur vous. C'est bon, les mêlés, revenez, les tanks, revenez. Vous tenez la porte. On va monter. C'est bon, j'ai Cola qui vit, ça arrive les gars. Je m'occupe de TS, vous inquiétez pas. Let's fucking go les gars. Allez, sur la porte, les gars. Il faut des AO de heal, des AO, des potions de sécurité, des pièges. Allez, ça sort les gars. Ils sortent d'ici. Sur le point, les mêlées et les tanks, votre corps doit être sur ce point, et nulle part ailleurs que sur ce point, les gars. Let's go. C'est ça que je veux. Bordel, yes, les gars, yes, allez, des AO de heal. Vos potions de CD, allez, sur la porte. Ils ne sortent pas d'ici. Let's go, les gars. C'est ça que j'aime, c'est ça que je veux. Allez, on s'arrête pas, les gars. Montrez-leur qu'il y a pas plus hargneux que nous. Allez, sur la porte, les gars. Sur la porte, défaille des stuns. Allez, les gars, je me répétais alors. Allez, défaille des stuns. Ça part sur cette porte, vous ne laissez pas rentrer, les gars. C'est chez nous ici. Let's fucking go, les gars. Allez, ça continue. Vous ne les laissez pas rentrer, les gars. J'ai demandé à Adrien qui vient s'occuper des remparts, vous inquiétez pas. Let's fucking go, les gars. Adrien, je vous trouve sur les remparts. Kivi, tu fais attention aux raids qui rentrent, ok. Je compte sur toi là-dessus. Allez, mon groupe, let's fucking go, les gars. Kivi, tu prends la porte droite, Adrien des remparts. Let's fucking go, les gars. Vous arrêtez pas. C'est maintenant qu'on va écrire l'histoire, c'est maintenant les gars. 1 minute 29. C'est game, c'est bientôt game, mais vous ne relâchez rien les gars. Je ne relâche pas, vous ne vous relâchez pas. Let's go les gars. Allez, ça tient, sur la gate. Il est chaud, c'est trop marrant. Des trappes de mousquets, des frostwall, des failles, let's go les gars, let's go. Si l'huile est revenue en CD, je veux que l'huile
tombent sur leur tête. Je veux que ça leur tombe. La gravité, vous connaissez. Je suis Newton. Bonjour à vous. Let's go, les gars. Let's go. Fusion le clutch. Let's fucking go, les gars. Let's fucking go. Vous pouvez le faire. Il y a toute la faction qui compte sur vous. Il n'y a pas que moi. Il y a toute la faction syndicate qui compte sur vous. Vous allez faire oui ou non. Oui ou non. On va les foudroyer en GBG. C'est oui. C'est game, les gars. C'est game. Let's fucking go, les gars. Let's fucking go. Vous pouvez le faire. Let's fucking go. Let's fucking go. Allez les gars, allez, allez, vous allez le faire, vous allez le faire, c'est bon, allez, allez, ça part de là les gars, ça part de là, j'ai été dégoûté de la GBG, j'en ai rien à faire, let's go les gars, let's go, ça tombe sur cette porte, ça tombe, vous ne les laissez pas rentrer, c'est chez nous ici, c'est chez nous les gars, c'est chez nous, malgré des lags, des serveurs de mort, on va le faire, c'est chez nous, maintenant, c'est votre corps sur ce point, jusqu'à que ces 20 secondes soient tombées. Votre corps sur ce point, est-ce que c'est bon pour vous? Votre corps sur ce point, votre putain de corps sur ce let's point, go, let's go les gars! Let's go! Yes! Aïe 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 aïe! C'était la meilleure GVG qu'on ait fait, je trouve. Oh, let's go! va prendre du miel, va prendre du miel, PF. PF, y'a encore une guerre à 20h. Hein. C'est pour ça, il faut qu'il prenne du miel maintenant. GG à tous les gars. GG. GG les gars. Oh, je suis mort. Je vais boire un peu d'eau. 25 millions les gars, dommage, pas mal. Let's go. Bien joué Ernie. Allez Tourelle, ça carry. C'est ça là. Allez Tourelle, c'est trop fort. C'est quoi? Moi j'essayais de mettre des barils, j'arrivais pas. Hein, les gars, quand je bois de l'eau, ça fait mal. Mais prends du miel, prends du miel, c'est ça que j'ai dit. On était combien de la team stream là? Le tank, les amis, le tank. Le tank. Bah GG, hein. C'était une belle, belle match. Ah, je suis 32ème. En vrai, l'extrême est fucking go, les gars. Allez, on finit Winsward, il reste pas grand chose là. C'était magnifique, les dégâts sont là. 92% Winsward, 91% Winsward, go go go. Les gars. Mon stream a crash, j'ai crash 6 fois dans la GVG, je me suis reco 6 fois mais vous avez tenu. Et c'est ça que j'aime les gars, je vous aime, je vous adore. cœur sur vous. C'est une joue. Pas mal de crash là. Merci Bunker pour l'abonnement, merci Le Casse-Tête pour les 7 mois, let's go. Merci Biggies pour les 10, pour les 10 subwoofers, merci beaucoup les amis, c'est très bien. Il y avait merci beaucoup, TP merci Locke aussi pour le 32ème, Calumet pour le 20ème. C'était compliqué. Oh, j'ai cru que j'allais devoir quitter le truc. Hein. C'était vraiment compliqué. Aïe 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 aïe. Bien joué, mon boy. Remets-toi-en. Bien joué, mon boy. Un petit dommage en global. Hein. Oh, c'est game, les gars, c'est game. Let's go. T'es mieux go, les gars. Let's fucking go. Je vais mettre un petit dommage en global là, dommage. Et gros big up à tous les viewers qui détestent mon lead. Bien vu. Vous avez été servi. Gros big. Je pense qu'ils le détestent parce qu'ils ont dû perdre des villes contre toi en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, je pense plus à tes voisins PF là. Parce que là ils sont oh les gars. Force à vous mes voisins, force à vous les gars, j'ai gagné, oui, en fait. C'est déjà ça, c'est worthy tout le monde. Worth, les gars, worth. J'habite en plein Paris, les gars, j'ai les têtes ouvertes. Dommage. Ouais, BJ. Ouais, bien joué. GG à tous. Bah, on se rendez-vous à 20h, les gars. Allez, on se rendez-vous à 20h. Bon, en tout cas, je sais aussi que les Yes sur leur serveur ont gagné leur attaque. Je crois qu'ils ont attaqué la guilde à Hermanel et ils viennent de gagner en 7 minutes. Donc c'est pas mal en vrai. Ils ont 3 villes actuellement, peut-être une 4ème ce soir. Donc bravo à tous, en tout cas à tous ceux qui jouent le jeu de l'autre côté. J'espère que vous en profitez. Moi je suis un peu triste que vous soyez pas là, mais tranquille, profitez-en un max. Mais voilà quoi. Allez, je repars de l'autre côté pour le vocal.